الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فريسون الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors vous avez trouvé l'affiche, le thème central c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un petit hadith comme une motivation pour qu'il y ait un frère, un soeur qui va présenter une joie de nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man rada il al masjid. C'est lui qui a le masjid. La yuridu illa an yata'allama khayran. Il n'est pas où les nonniers. C'est sur l'intention. Il n'est pas péché à ce nonnier. Illa an yata'allama khayran. Excepté apprendre le bien. Il fait le masjid. Sur l'intention, si apprendre le bien, ou yu'allimahu, ou bien enseigne le bien. Kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjata. Cette personne-là, il peut gagner une récompense d'une personne qui vient faire un hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil la même, il dit tamman hajjata. Un hajj qui tam, qui complet. Hadith raconté par Imam al-Tabarani, un hadith authentique. Donc, ce hadith-là peut montrer nous un. C'est lui qui a le masjid. Mais déjà, le masjid, c'est une place de. Quand nous dispense la connaissance. Quand nous apprend et enseigne la connaissance. Et ça, Hadith, ça, comment je veux dire, il encourage Vandimoun. C'est lui qui présente un masjid. Il n'est pas pareil que moi, celui qui peut assister sur la case. Il peut get live avec une facilité. Ce baraka, ce bienfait, il n'est pas pareil. Dans le masjid, quand il y a un masjid, quand il enseigne la connaissance. Ban ange, le hadith clair, wa majtama'a qawmun fi baytin min buyuti Allah ta'ala. Il y a un groupe de monde qui jouent dans la case. Parmi la case, Allah dans masjid, fait dire masjid. Wa majtama'a qawmun fi baytin min buyuti Allah ta'ala. Yatluna kitab Allah, je te récite le livre d'Allah. Wa yatada rasunahu baynahum, je t'apprends un à l'autre le livre d'Allah. Illa nazalat alayhimu sakina, excepté qu'il tranquillité. Descendent l'eau, ça va en dire là. Wa rajiyatumur rahmah. Allah, ce compassion, ce merci, ce rahmat, lui enveloppe ça l'assemblée là. Wa dhakara, wa haffatumul malaika. Ban ange entoure ça l'assemblée là. Wa dhakarahumullahu fi man inda. Et ban ange, je te fais mention de ça va en dire qui de ça l'assemblée là. Plutôt Allah subhanahu wa ta'ala, dhakarahumullah, Allah mentionne ça va en dire là. D'être l'assemblée qui meilleure côté lui. Ange tous à l'assemblée là, Allah sur Rahmat couvert à l'assemblée là, Allah mentionne sa bandimoun là, mais déjà fait mention c'est quoi? Allah flatte sa bandimoun qui est présent là, dans l'assemblée qui meilleure côté lui. Donc il a beaucoup bien fait quand on vient de Mazid. Et un petit parenthèse, je dirais, qui, avec, pas tout Mazid qui pareil, avec sa période de temps qui finit la Covid, Mazid finit fermé, beaucoup de jeunes abandonnent la porte masjid. Alhamdoulilah, il y a beaucoup de jeunes ici, alhamdoulilah, mais il y a beaucoup de masjid, de jeunes pas présents dans la maz. Je suis à tout la maz, Fajr. Alors, nous avons cassé ça l'habitude là. On va dire ça l'habitude de m'acquérir pendant sa période de temps qui finit la fermeture de masjid là. Nous avons sans ça, nous avons encouragé nos jeunes de masjid. Donc, moi, nous venons dire, ce hadith qu'il mentionnait en premier, c'est lui qui sortit sur la case et vient chercher la connaissance. Allah Ta'ala. Donne-lui récompense d'une personne qui finit faire un hajj. Et pas avec la même hajj là, un hajj qui récompense d'un hajj qui complet. Alors nous connaissons qui a été difficile pour dire qu'on a fait hajj aujourd'hui avec chérité de la vie, ainsi de suite. Mais Allah Ta'ala, ce richesse est vaste. Allah Ta'ala n'est pas pareil comme une salle. Nous, quand nous faisons un travail, nous gagnons la paix d'après le travail. Mais Allah Ta'ala, il est riche. Donc, moi, je viens de dire, nous devons le programme là, c'est concernant Sunna, depuis la frère Bakar, ce qui vous cause la définition Sunna, pour pas mal de monde qui a une confusion. Sunna, mais c'est mal le wajib. Par exemple, nous disons, la barbe, le wajib, mais c'est mal le Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a différentes places qui nous servent le terme Sunna avec différentes connotations. Donc, frère Bakar, il peut élaborer là bien, et il peut élaborer la préservation de la Sunna. Beaucoup de gens ont un doute, surtout pas plus qu'il y a une semaine de cela ou bien des semaines, une personne est venue, il peut arguer
Mais dire, est-ce qu'il nous a appris sunna du prophète? Il y a une phrase de couf. Il dit bien, arrêtez de frapper sunna. C'est un petit peu fait musulman de Moudaliga. Une phrase de couf, ça. Mais on peut y aller à la sakaté, pensée là. Malheureusement. Donc, le frère Bakas, il propose la préservation de la sunna, Inch'Allah. Ensuite, après Namaz Mardi, nous prenons la frère Zoubé, qui propose concernant la sunna comme deuxième source de la sharia. Sharia, lui, il a quatre sources principales. Coran, sunna, ijma avec qiyas. Deuxième source là-dedans, c'est la sunna. Alors, le prophète Zoubé, l'ibou, élabore la sunna comme une source de la sharia. Ensuite, après Namaz, ça c'est après Namaz Mardi, après Namaz Isha, Inch'Allah, moi, je propose l'eau. Vraie compréhension, vraie notion de la sunna. Parfois, nous limitons la sunna à certaines bonnes pratiques, alors que la sunna est vaste, elle est très très vaste. Quand on dit sunna, il y a différents aspects de la sunna. Ça, nous proposons là, Inch'Allah, vous-même. Après, nous prenons frère Asraf Djano qui propose l'obligation. L'obligation d'un musulman pour lui adhérer à la sunna. Ça, c'est la deuxième personne qui propose Asraf. Et en dernier, nous prenons frère Zoubé Dango qui propose comment nous comprenons la sunna? Comment nous comprenons la sunna? Il y a le principe, le paramètre qui nous besoin, il y a le principe qui nous suivent pour ne pas gagner une fausse compréhension de la sunna. Inch'Allah, nous pouvons rester dans ma zine, Inch'Allah. Le frère, je vais inviter pour rester dans ma zine. Et Inch'Allah, le matin, nous pouvons prier à Moulay. Ensuite, après Namaz Fajr, nous ferons Asraf, il nous fait un résumé de ce qu'il nous fait apprendre. Et il nous donne l'exemple, comment le Sahaba se fait attache fermement avec la sunna. Comment le Sahaba finit ferme avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait l'assemblée là, vient l'assemblée qui bénit et qui fait nous bénéficier avec ce qu'il nous tendait. Et Allah ta'ala les bords de nous invite mon frère, mon ceux qui pas présent, qui peut nous là, et puis se déplacer, faire ses efforts là, présent dans ma zid, et naturellement pour l'amplice baraka, tout de suite nous passe le frère Bakas, Inch'Allah, qui lui élabore ce sujet, Inch'Allah. D'accord, frère. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دونك من connaît qui dans l'époque رسول صلى الله عليه وسلم même musulmans de chancel ça veut dire une seule idéologie qui dit soit le fiqh le aqida etc. Quand il y a une divergence entre l'Ibn Sahaba, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ça y a une divergence entre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, l'Ibn résout le problème. La divergence qui tient entre eux. Après ça, dans l'époque Abu Bakr al-Siddiq, Umar Tienzel, dans l'époque Omar radiallahu anhu, Umar Tienzel, après ça, nous vivons dans l'époque Othman radiallahu anhu. Dans l'époque Othman radiallahu anhu, la fin sur Rhin, nous voyons l'émergence de Ben Khawarij, qui, je ne peux plus dire pas les mots. Après sur la mort, nous voyons Ali radiallahu anhu qui vient. Dans l'époque Ali radiallahu anhu, nous voyons des grands la guerre entre Ben Sahaba, nous voyons la guerre Sifin, nous voyons la guerre, nous voyons la guerre Jamal avant, après nous voyons la guerre Sifin. Quand la deuxième guerre a fini, là nous retrouvons l'émergence de Ben Sekh dans l'islam. Nous voyons l'émergence de Ben Sekh dans l'islam. Et là qui peut arriver, nous voyons Ben Khawarij, nous voyons ce qu'il appelle Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, ce Ben Sahaba qui finit descendre, même idéologie. Après nous voyons Ben Shia. Le problème qui était, c'est que Ben Khawarij, je veux dire, je suis musulman, je veux dire, je suis Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ben Shia, je ne dis pas rien. Donc, pour moi, Ben Sahaba, dans sa époque-là même, je ne fais différent chez eux avec Ben là. Il y a la même une certaine terminologie qui nous dit Ahlu Sunnah wal Jama'a. Ça veut dire
dit l'un de son essence, quand nous les mots musulmans en entier, nous tout connaît. Nous disons sunni, nous disons chéri. Sunni, il sortit de sa mot, sunnala. Donc, ça nous dit la panastéra. Donc, sa mot, sunnala astéra. Première affaire qui est dans la panastéra, c'est dans langage arabe. Langage courant qui est en arabe, qui veut dire sa mot là. Donc, il veut dire at-tariqa. Tariqa veut dire chemin. Il veut dire as-siran. Siran veut dire biographie de quelqu'un. Qu'il y soit une jolie biographie, par exemple, vous avez la vie ben prophète, la vie ben sahaba, la vie ben héros de l'islam, c'est une jolie biographie qui lui a, ou même moment, même on dit, ben black sheep de l'islam, ou par exemple, il y a une église, c'est une mauvaise personnalité, ou un pharaon. Donc tout ça là, si ça est une jolie biographie. Maintenant, pareil comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, l'idée dans un hadith, donc sunnah, soplayel, libin, sunan. Soplayel, c'est sunan. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, qui est rapporté par Bukhari, la tattabi'anna sunana, man kana min qablikum, shibran, shibran, wa dira'an, dira'an. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il veut dire, je poursuis sunnah. Sunnah qui veut dire, ça veut dire, ben principe, ben façon de vivre, mode de vie, ben peuple qui tient avant eux, shibran, shibran, pas pour pas, ou bien, ou bien pour. C'est-à-dire que vous trouvez que là, Rasoul Assad, il fait servir sa mot, ce qu'il nous appelle Sunnah là, dans le côté langage. Maintenant, quand nous prenons cette terminologie là, donc là, il y en a une connotation, c'est-à-dire que dans le côté langage arabe, courant qui met arabe, tu peux servir. Maintenant, le mot Sunnah, quand nous peut servir dans din islam master, qui veut dire ça mot là? Il va nous comprendre une affaire, c'est qui sa mot Sunnah là. Je vous dis, si tu as dit une fine banalise, que le film prend une affaire, simple, terrible. Au fait, ça dit, si nous essayons classe 26 et qu'il y a, nous devons mettre minimum 26 et qu'il y a en bas d'islam, minimum la hausse en 6. Ça veut dire, là, il montre nous qui a été vaste, ça dit, été. Maintenant, quand nous prenons ce mot sur là, il dépend dans qui filière, qui nous peut dire ça. Sunna. Et chaque filière, il y en a une définition, il veut dire quelque chose spécifique. Donc, nous prenons trois exemples. Donc, premier, dans terminologie hadith. Premier, nous prenons dans terminologie hadith. Ça veut dire quand on fait cause hadith, comme on veut dire ça, sunna, ça. Qui veut dire là-dedans? Donc, ben, ça avant, je finis définir Ali comme. Tout même quelque chose qui définit attribué, attaché avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Numéro 1, c'est tout même parole, qawl. Tout même parole Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, quand vous dites un hadith même, nous vous dites qawl al nabi sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin djia. C'est-à-dire tout ça même parole qui définit djia là dans le hadith de Babeli sunnah. Un exemple. Par exemple, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le hadith qui nous tout nous connaît. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit la ta'kulu bishimal, fa inna shaytan yakulu bishimal. N'a pas mangé avec la mégosse, car Satan ni dimanche avec la mégosse. Donc là, quelque chose, c'est une parole de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième, au fir'alim. Premier, nous disons parole. Deuxième, libide tout bête action qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'y fait. Par exemple, ça va pour apporter qui Rasoul n'y content faire. Qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'y pas content faire. Par exemple, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Les petits contents mettent pas au fait. C'est une action. Rassemble. Parfois, il ne va pas nécessairement lui dire quelque chose. Mais vu qu'il met un sahaba avec lui, je fais vivre avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, je fais trouver sa action là, là je trouve rapport à cette action. Tout bien action qui ressemble, tient à l'habitude, faire. Donc, tout bien action Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Premier, nous dire parole. Deuxième, nous dire action. Troisième, nous dire au taqriri. Donc, il y a une action quand vous êtes dans la vie, biographie. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous voulons que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il y a une action qui lit personnellement, il n'est pas fait. Mais c'est moi quand l'autre sahaba fait lui, il n'est pas fini en paix, il fait permettre sa action. Un simple exemple. Une fois, je vais inviter Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pour manger. Donc, ben arabe, ben arabe, il y a un animal qui s'appelle Dom. Dom qui est arabe, il commence à être un lézor. Qui, dans Sharira, les halal pour nous manger ça. Donc, il y a un sahaba qui compte manger.
c'est comme un désordre, il faut bien trouver un tunnel dans le désir. Donc, le temps, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, étant qu'on a découvert la manger là, Rasoul tout ça gros désordre là. Il n'est pas si content de manger ça. Donc, le temps, il va Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le sous facial expression, il va péter non, c'est moi. Il va trouver qui, comment dire, il n'est pas si content. Il va penser qu'il peut-être ça, il haram. Finalement, après un moment, il attend, Le temps, il demande Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il va haram, mais c'est moi, je ne suis pas content. Manger, ça veut dire une action qui, Rasoul sallam, lui, il n'est pas fin, mange quelque chose, hein, mais il n'est pas fin dire qu'il doit les haram. Il n'est pas fin empêcher ben sahaba pour ne pas manger quelque chose. Alors, pareil comme ça même, il y a ben des autres mêmes actions. Donc, ça, on appelle ça taqririn. Or, suffatin. Donc, premier, nous dire parole. Deuxième, nous fin dire action. Troisième, approbation. Quelque chose qui ressort par le fait, mais c'est mal, il fin approuver. Troisième. Quatrième, lui dire khalqiya. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est façon que tu peux dresser les mains, que tu peux garder là-bas, comment tu peux peindre sur la tête, etc. Donc tout ça même qui te chose. Et bien, khalqiya, c'est tout belle manière, tout belle caractère que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui tient. Patience, tolérance, sagesse, présence, chasté, ou donner bien, empêchement, vieux, humble, sage, généreux, doux, etc. Il y a les mêmes. Donc tout ça même khalq, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est une manière qui lui tient. Donc tout ça là, nous appelons ça. Ça dit pour moi dans le mot sunna, ça veut dire ça nous fait cause, quand nous fait cause concernant hadith. Ça veut dire quand nous fait cause hadith, quand nous fait dire sunna, qui veut dire, il y a une parole, ou bien une action, ou bien une approbation, ou bien une façon que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ou bien une manière Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, quand nous voit dans fiqh, bien au sur le fiqh, là, il veut dire une autre chose. Ben, savant, je définirai comme ما يثاب فاعله ابتثالا ولا يعاقب عن تركه. Donc c'est un petit chose qui comme vous pouvez aller, vous pouvez gagner savoir. Un petit chose comme vous pouvez aller, vous pouvez gagner savoir. Et ça qui chose là, si vous quittez, vous pouvez gagner péché et qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un exemple que nous tous nous connaissons. Par exemple, nous faisons namaz maghrib, après on a namaz maghrib et on a des sunnah. Même nous disons sunnah. Donc là, nous rentrons dans la terminologie, c'est ce que nous faisons mentionner. Ça un. Ou bien par exemple, ben nous en a fait nous garder lundi, jeudi. Donc tout ça va être action là, il y avait sunnah. Maintenant, là nous venons parler deuxième terminologie dans le domaine. Troisième aster. D'un côté, raqida. D'un côté, raqida, aster. Ben à dire, wa yuqabiluhu al-bid'a. Donc ben ça va nous dire, c'est le contraire de l'innovation. Donc par exemple, فيقول فلان على السنة إذا كانت أعماله على وفق الكتاب. Donc quand on veut dire est-il l'ilo sunnah, ça veut dire que dans l'akhida, dans l'interprétation de la la ilaha illallah, idéologie qui dit qu'on a dit pensé. Quand on veut dire est-il l'ilo sunnah, il veut dire c'est un quelqu'un qui se met action par rapport à l'ivre Allah subhanahu wa ta'ala, à par exemple, Quran. Donc là nous prenons un exemple. Par exemple, un imam, Shatibi, il dit لفظ السنة أيضا في مقابلة البدعة. لذلك سأعطي ميولوجي سنة لا سي لي كونتخير بدعة. لوغان دونك لوغان بليزيور بان سافون. كوز فين كوزي كوز بي كوز سأعطي ميولوجي سنة لا. باغ اكزومبل لوغان ان ان بومي بان كون سافون كافي سفيان ابن عيينة. لذلك As-sunna rachara. L'idée, sunna, c'est 10. Quand il pécose ça, sunna, là, qui veut dire, il pécose concernant raqida. L'idée, qu'il dit. L'idée, c'est lui qui amène iman, ithbatul qadar. C'est lui qui affirme. Ça veut dire, quand nous disons une cause concernant iman, nous disons, amandu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa liyomil akhi wa al-qadri. C'est lui qui affirme qadar. Taqdim Abi Bakr wa Omar. Donc, c'est lui qui, ça veut dire, le gabin sahaba, vous êtes fin devant, ça veut dire, vous êtes de l'avant. Abu Bakr et Omar, Walhaoul, ça veut dire bassin qui ressource au Tramboïna, Shafara, Mizan, Shafara veut dire intercession. Donc tout le monde qui affirme ça, tout ça c'est une action, c'est une action légère. Il y a un djinn qui affirme dans ce légère. Nous avons par exemple Imam Shafiri, il dit Walhaoul, Vissunna, Allati, Ana, Aleyha. Tant qu'il dit Imam Shafiri, il dit comme ça, et parole de Sunna, l'eau, ce qui m'a dit, c'est-à-dire ce qui Imam Shafiri l'a convaincu, l'a croit là-dedans. L'a dit, Al-Iqrar bi shahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Donc c'est un djimoun, sa témoignance qui s'adjimouna, l'a dit, qui n'a fait aucun bon Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala, et qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'a serviteur et messager d'Allah, et comme ça, l'a continué d'écrire sa même petite chose. Maintenant, nous prenons
une série, donc nous pouvons savoir un livre que je finis d'écrire, nous pouvons insérer un livre qui se titre c'est à Sunna. Ça veut dire quoi? Nous ouvrons un livre là, quand nous commençons un livre là, ce qu'il y a là-dedans, c'est rapide, idéologie, conception. Par exemple, nous prenons Sunna par Imam Ahmad, nous prenons Sunna par Abi Daoud al-Sijistani, nous prenons Sunna d'Ibn Abi Asim. Comme ça, nous prenons au moins là une dizaine de livres qui existent, ce type de livre par Sunna, mais ça nous pouvons avoir différents auteurs. Et quand nous ouvrons un livre là, qui se fait une cause là-dedans? C'est se fait une cause concernant Aqida. Maintenant, comme on a fait cette année-là, les mondes musulmans les divisent en deux. Ce qu'ils appellent, premier, ce qu'ils appellent ben sunni. Donc, sa terminologie à côté de ça. Donc, vous avez ayat Quran, surah Al-Imran, ayat 106. Quand Allah Ta'ala peut dire, Yom matabiyat du wujoum, wa taswat du wujoum. Quand vous avez un peu de gens qui se figuent pour illuminer, le visage pour illuminer, et qu'il y a un peu qui se figuent pour nous aussi. Ibn Abbas, tak Ibn Abbas ya. Lidia fa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa ahlu sunnah wal jamaa wa ulul ilm. Lidia ban ki je figure pour éliminer zokiyama c'est ban ahlu sunnah wal jamaa. Ça veut dire la terminologie là ahlu sunnah. Là nous trouvons quoi ici là. Wa ulul ilm ban ki la connaissance. Wa amma alladhina suwaddat wujuhuhum fa ahlu al bid'ah. Quant à ban ki je figure pour noircir. Joukriyama, c'est ben innovateur, ben qui peut faire bid'a, ben innovation dans l'île Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand nous servons sa terminologie là, nous avons compris les affaires. Quand nous pouvons dire, nous disons les mondes musulmans, les classes en D, ça veut dire sunni avec chiite. Donc, quand nous pouvons dire sa classification sunni-chiite là, donc Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous connaissons le hadith que. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, juif et chrétien pour diviser en 71, 72 parties. Et moi, mon oumbat, je vous divise en 73 parties. Donc, comment nous comprenons le hadith par rapport à la terminologie sunnah? Donc, premier, c'est qu'il y a un ben, savant à ce mot qui appelle sunnah, la ahlu sunnah, je classifie lui en deux catégories. Premier, une catégorie, c'est général. Manager, bi'i'atibar al-am. Je dis, yadkhul fihi jami'ul muntasibina ila l'islam. Ada al-rafidur. Donc, comment maintenant, qu'il fait sa classification? Je dis, tout ben jimoun qui annexe, qui dit, Muhammad, ahlu sunnah. Ça veut dire, li exclure là-dedans, ben rafidur, ça veut dire que nous, en termes de nous disons, ben shia. Ça veut dire, là, nous, on a un terminé, j'allais tout ben, on dit, tout ben jamaat qui nous est là. C'est pas, tel jamaat, tel jamaat, tel jamaat. En général, nous voyons que les autres, Ahlus Sunna, ça, un terme qui était général. Déjà, master, il y en a une autre signification, master, khos, ça veut dire spécifique. Je dis, wa yuradu bihi Ahlus Sunna al-mahdhah, al-khalisa min al-bid'ah. Donc, c'est ben des gens qui viennent suivre Sunna, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui, ça veut dire, quand les Rasul sallam, vini, ben sahaba, vini, tout ben grand imam qui est là, je finis suivre sa méthodologie là, sa chemin que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam bin Qasim, ce qu'on va finir suivre là, qui n'a pas aucun bid'a là-dedans. Donc ça même sa chemin là, c'est ce qu'on appelle sunna, sa collection hadith là, sans qu'il nous parle de l'astère. Là nous parle de ce qu'on appelle tarikh tadwid ou sunna, ça veut dire l'histoire compilation de sunna. Donc première chose, quand nous parlons concernant l'histoire compilation sunna, les bons nous comprenons après c'est qui. Le frère Mbias fait une cause dans l'introduction, c'est sa même Masdar al-Thani, c'est une deuxième source à Teshriya qui nous prend nouvelle la loi depuis ça. C'est deuxième source pour nous. Maintenant, Coran, c'est un livre qu'on parle, qu'on prend bien, c'est un livre mujmal, ça veut dire c'est un livre qui, comment on dit, il est en gros livre. Soben tafsil, ça veut dire soben détaillement. Concernant ce ben ahkam, nous pouvons gagner dans le Coran, nous pouvons gagner dans le sunnah. Par exemple, nous prenons par exemple Namaz. Namaz, il y a ce condition, il y a ce pilier, il y a ce obligation, il y a ce ben sunnah. Il y a quelque chose qui est détestable pour faire de Namaz. Après, il y a ce qu'on appelle, il y a quelque chose qui m'abdula. Ça veut dire que ce qui vous annule soit là complètement. Donc, ça veut dire que nous pouvons gagner dans le Coran, nous pouvons gagner détaillé dans le sunnah. Pareil comme ça même, Rosa. Plus beaucoup se mettent à Ahkam, le Bougani Kotcha.
dans Sunna, pareil, zakat, il y a les mêmes là, beaucoup de petites choses comme ça. Ça veut dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est important ça, c'est que numéro un, nous pouvons donner pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et après, dans le mouvement de Sahaba, descendre même, quand Malaf il fait un travail colossal pour préserver un sacrifice extraordinaire qu'il peut faire pour préserver sa Sunna, sa première, importance. Deuxième importance, c'est-à-dire, nous avons un mauvais rôle de bal moustache rigri. Ça veut dire ce qu'ils appellent bal orientaliste. Pour eux, ça veut dire que je finis étudier la religion. Après que je finis faire, je finis guetter qui met place qui est capable de servir pour capable de mettre doute dans la tête du monde. Ça veut dire que pour eux, d'après cette considération, ça veut dire qu'il y a ceux qui ont prouvé qu'ils sont capables de venir mettre doute dans la tête du monde, c'est ça. Ça veut dire ce qu'on appelle tadwin ou sunnah. Ça veut dire que quelque chose qu'ils ont pu dire, qu'ils ont embêté du monde, c'est que sunnah il vient compiler environ 150 ou bien 200 bananes après Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, d'autres mots, pour lui qui vous dit là, il vous dit, ça veut dire que ça veut dire qu'il vient compiler après là, ça veut dire qu'il y a un doute là-dedans. Ça veut dire quand il y a un doute là-dedans, l'Ibla n'est pas fiable. Ça veut dire quand vous êtes. Cette bête noire là-dedans, c'est l'imam Bukhari. Parce qu'il fait, ben savant, entier le monde, je suis d'accord qu'il meilleur livre, qui plus authentique après le Coran, c'est l'imam imam Bukhari. Donc, et à partir, quand je filme tout là-dedans dans la tête du monde, nous gagnons un sec qui émerge, ce qu'on appelle le Coran. C'est-à-dire, je suis d'accord avec le Coran, mais c'est moi qui je peux faire. Je présente Hadith. Et à partir de là, nous avons une série de masala qui, nous avons regardé ce que nous avons dit aujourd'hui, qui va nous rouler à main, je peux faire. Par exemple, est-ce qu'il y a un petit monde qui a un droit d'interpréter le Coran, existe pour langage arabe? Et dans la masala qui vient, est-ce qu'il y a un droit d'interpréter le Coran pour nous l'esprit? Donc tout ça là, les vies. Donc avant de rentrer à celle, nous prenons, avant de rentrer dans Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comment on a fait faire des vies ou sunnah, c'est qui elles appellent nous bien comprendre. Nous disons beaucoup d'erreurs qui m'ont dit nous faire quand je pour rendre l'histoire. Je prends ce plan premier erreur qui m'a dit nous faire, c'est qui lui prend son environnement qui était assez là. C'est-à-dire que nous avons un oumad que, alhamdulillah, la drame que nous éduquons. Déjà, nous dans une époque de technologie, ça veut dire lui qui a l'environnement qui est là alentour de l'Ida. Il comprend, il pense à l'environnement qui nous a à ce là, il compare ça avec 1400 bananes, c'est là, il vient de bailler à ce là. Donc ça, c'est un fait qui nous a bien mis dans la tête. Nous venons de retourner dans l'environnement numéro 1, 1400 bananes, c'est là. Nous avons un coup, comment ça va être arabe là, je t'y peux vivre, et comment ça, quitte chose là, les films, évoluer. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, bien après, nous avons comme un oumi. Nous un peuple oubli. Oumi veut dire, nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas écrire. Ça veut dire, là, nous comprenons après. Quand nous voyons dans l'arabe, nous bâtissons une civilisation. Quand nous retournons 400 balles à l'année, là, nous prenons l'empire perse. Nous avons l'empire romain. Ça veut dire, ça a des plus grands empires qu'il y a. Ça veut dire, l'empire là, je tiens la civilisation. Ça veut dire, je tiens un système qui gouverne ce pays. Je tiens un système, l'économie. Je tiens toujours un système qui déjà en place qui peut fonctionner tout en même temps. Donc ça, première affaire. Mais côté arabe, je suis parti dans ce système là. Ça aide. Deuxième, comment nous finir, je suis parti éduquer. Quand je suis parti éduquer, le côté est un hikma, c'est depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est qui pour eux, tout qui chose, je t'y travaille, là, mémoire. Je t'y mémorise. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons beaucoup d'affaires. Je me dis, je ne vais pas connaître. Vous parlez dans le livre, vous parlez dans l'internet. Mais 1400 bananes, c'est la banane que tu peux faire. C'est qui tout les affaires de Thierry Lailo, mémoire. Cette mémoire, Allah subhanahu wa ta'ala, tu as une mémoire extraordinaire, ça même. Déjà, master. Concernant, quand nous sommes dans l'époque de Jahiliya, qui est un recording qui nous est là, qui jusqu'à aujourd'hui, nous est là. Et même, ça va être orientaliste là, ce qui est drôle là-dedans, je ne pas affirmer nous un texte sacré, mais par exemple, dans le Kabbal Hajj, maintenant, je fais une compétition pour eux. C'est-à-dire que nous sommes capables d'avoir un 30 ou bien un 40 poètes qui sont entiers. L'Arabie, je peux venir après Hajj, je peux jouer une place, une soupe qui est besoin, c'est un rocard, un domitien. Là, je peux jouer là-dedans, là, pour une compétition.
C'est que extraordinaire. Ça a bien qu'on a dans la nouvelle chose, dans l'époque d'Arivia, le grand sens, ça n'a pas encore fini pour. Il n'y a pas encore amené l'islam là. Jusqu'à ce qu'on préserve ça. Et bien, l'oriental islam, il m'a accepté ça. Ça a une affaire drôle, terrible ça. Parce qu'il partit dans la méthodologie hadith, mais on est pour préserver ça même petite chose. Ça même petite chose, il y a encore préservé aujourd'hui, même dans la syllabe HSI, dans l'arabe, il y a un des mêmes problèmes, vous voyez qu'ils ont toujours un petit peu ciel. Maintenant, nous vivons dans l'époque, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'époque, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 40 ans, il vit prophète. Après ça, 40 jusqu'à 53 ans, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans Makkah. Après ça, il peut faire Hijra, il peut aller dans Medina. Maintenant, dans Medina, est-ce qu'il y a un autre, je peux copier Hadith Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans Medina. Donc nous voyons un ben sahaba qui dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire un copier Hadith. Donc nous voyons un Hadith rapporté par muslim. An Abi Sa'id al-Khudri, il dit An Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit La taktubu anni, wa man kataba anni, ghayra al-Qur'an, falyamhuhu. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu arrives à un moment que, et il y a beaucoup de sahaba, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu en fais zut, écrire le Coran. Donc, il dit, n'a pas écrit depuis moi, et celui qui écrit le Coran depuis moi, celui qui finit écrire depuis moi, pas le Coran. Ça veut dire, écrire juste, qui dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu arrives à une époque, tu peux mettre là en face, l'eau, l'écriture, le Coran. Au fait, les temps de bouquetter, pour un devait par ce qui fait le film préservé jusqu'à aujourd'hui, c'est ça l'emphase qui ressort sans filmé qu'il a la cause de pas mélanger. La ressort de Coran, c'est lui qui finit écrire à bord du Coran qui l'écrit passé. Mais seulement, ce qui nous faisait comprendre, c'est nous faisait comprendre l'interprétation de ça, hadith. La ressort de Coran, hadith ou ani ou la haraj, rapport de Coran, pas de problème. Est-ce qu'il ressort de Coran, tu empêches tout ça, haba, par copier hadith? Non. Tu as un bon sahaba qui veut le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui veut bien. En même temps, tu as un kadi pour le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et qui veut le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui connaît sa bon sahaba là. Je ne veux pas pour faire confusion, je ne veux pas pour mélanger le Coran avec le hadith du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je prends un deuxième hadith à ce terme. Donc, Abi Hurayra radiallahu anhu. Tant qu'Abu Huraira dit, Abu Huraira dit parmi les sahaba qui fin mémorise plus beaucoup de hadith depuis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans cette dernière année, Abu Huraira dit quitte sur la case, il tient à la case, mais seulement il reste dans Masjid Nabawi. Qui peut faire? Là, nous avons fait un sacrifice qui se fait faire pour collection hadith. Là. C'est-à-dire qu'il quitte tout. Juste pour rester dans Masjid Nabawi. Zis pour en prendre hadith avant le Coran en premier définitivement et déjà hadith depuis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. A tel point que Lydia, parfois moi je me demande un sahaba une question, moi je réponds plus qu'il dit moi. Mais c'est moi qui n'arrive, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de manger. Il dit moi tu peux suivre, ça veut dire moi tu peux allonger les réponses là avec lui, comme ça on arrive devant sur la bonne et puis on va te demander une petite affaire. Parfois, rapporter encore que. L'idée est en masjid, il peut la fin de masjid, il pas réussi à aller, il tombe sans connaissance. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il vient de la djinn. Il y a un Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il vient de la djinn. Ça veut dire qu'il arrive plusieurs jours, il n'a pas fini de manger. Ça veut dire que ça, ça fait ce qu'il vient de faire, c'est pour qu'il est là, pour collection hadith du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, laissez un hadith, akthara hadithan, an Rasoulillah sallallahu alayhi wa sallam, minni, illa. Abdullah ibn Amr, fa'innahu yaktub wala aktub. L'idée est que nous avons une personne qui complice le hadith Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui moi, excepté Abdullah ibn Amr. Et l'idée est que Abdullah ibn Amr, lui, tu peux copier. Et moi, je peux copier. C'est-à-dire que quand il me dit, lui, tu peux copier, c'est moi. Lui, tu peux mémoriser le hadith Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Amr, lui, il rapportait à ce qu'il dit. Bon, enfin, maintenant, ben, Kafri, tu peux dire comme ça, tu peux copier le hadith Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Tu sais que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire, tu peux copier comment il dit, maximum, tu peux copier. Ben, là, comme ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est humain. Il est capable en colère.
En deux mots, maintenant, ce qui peut redéger, c'est qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam capable de faire. Il dit, elle est beau qui a recopié. Après ça, il finit avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Le temps qu'il finit avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tant que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il m'a octobre. فوالذي نفسي بيده ما خرج مني الا الحق حديث ابو داود وابو داود الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرا فكان يبدا يقرا حديث الرسول يقول ها كو سيلو كي مولا بي او دو سولامي نوني باسو اوشي دي بي موا اكسبتي حق دايا من ايا القران كي ابو حق على راجع ها وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوها الرسول صلى الله عليه وسلم لي با دي نوني دي بي سو هوا excepté qui wahid qui Allah subhanahu wa ta'ala fin descend au lit qui li introduit de sabat wahid qui Allah subhanahu wa ta'ala fin descend au lit. Maintenant ça veut dire dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pareil comme ça ben sahaba là il y en a beaucoup ben sahaba quelques ben sahaba qui nous disent qui tu peux écrire. Maintenant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il faut nous comprendre la personne ces personnages qui ben sahaba apportent dans une lacar. Je t'explique, ça veut dire, premier, je t'explique beaucoup à part de la case. Mais c'est moi, c'est lui que je t'explique content, qui j'ai de madame, qui j'ai des enfants, qui tout du monde, c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyons un simple exemple. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire namaz 5 fois par jour dans le masjid de Babi. Et nous trouvons, ben musulmans, je peux grandir. Nous avons ben chiffres statistiques qui nous lisent et nous adorons. Il y a beaucoup plus que ça, c'est moi. Nous avons la guerre 313 environ. Nous venons même, nous avons Uhud, nous avons 700 musulmans qui finissent la guerre. Nous venons, nous avons Khandaq, nous avons 3000. Nous allons même, nous avons Fatou Makka, nous avons là-haut 10 000, nous avons Hunayn 12 000. Ça veut dire que nous avons des musulmans, nous avons grandi, 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 que dans l'intervalle Hajj, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a là-haut 100 000 musulmans qui peuvent écouter. C'est parce que quand nous avons 100 000 musulmans là, il y en a beaucoup qui ne sont pas venus là. Quand nous avons dit qu'il y a 313 qui finissent la guerre de Uhud, nous ne pouvons pas compter. Ben madame, nous pas compte, ben les enfants, nous pas compte qu'il y a dans sahaba peut-être, il parti là ou soit il pas fini sortir, il a ben excuse, voilà. Ça veut dire qu'il dit beaucoup plus que ça chiffre là, ça même. Déjà, master, ben sahaba, je peux faire namaz 5 fois par jour en jamaat avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam en général. Ça veut dire, nous veut dire dans une semaine, c'est 35 fois que je peux faire Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, un mois, il fait où là-haut 150 fois. Montre-moi un dimon qui vous donne 150 fois dans un mois. Et dans un an, il fait où à peu près plus que 1700 fois. Je finis de joindre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Qui vient de mentionner sa statistique là? C'est qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait un message important pour lui dire. Le type dit ça après, souvent après Salat. Ou bien, parfois, maintenant, je vais dire Salat ou le Jamia. Ça veut dire. Là, là, ben, musulmans, pour rassembler dans masjid. Là, là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, s'il y en a n'importe qui, ben, information importante pour lui communiquer avec Banna, à ce moment-là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour communiquer avec eux. Maintenant, ils vont nous comprendre une affaire. Pas tout sahaba qui a tout lien aussi avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est l'exemple. Omar radhiyallahu anhu, Rasoul, quand il fait un mouakot avec lui, il vient faire un deal avec ça. Dis-moi que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient faire ce frère en islam là. Je suis très sportif, Rouba. Ça veut dire un jour, Omar Radhiallahu dit Minda Masjid Nabawi, on est depuis grand matin jusqu'à tantôt, Namaz Echa ou bien après Namaz Echa, il peut apprendre tout ce qui est là, qu'il n'a pas apprendre. Quand il voit la case, qu'il peut faire, il vous donne, il vous brief, ce frère et sa mère. Lendemain, ce frère qui vous fait, lui, pareil, il vous vient dans Masjid. Il peut apprendre et lui, il vous brief, Omar Radhiallahu anhu. Maintenant, depuis, il faut nous comprendre une affaire, c'est que dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est là beaucoup de sahaba qui finissent spécialisés dans un domaine, dans une filière, dans différentes filières qui nous sont là. Par exemple, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire, celui qui connaît plus halal avec haram, c'est Mu'ad ibn Jabal. Celui qui connaît plus concernant faraïd, ça veut dire potas, l'héritage, c'est Zayn. Et par exemple, concernant le hadith que vous mentionnez derrière là, c'est Abu Huraira. Donc, comme ça même, nous trouvons tout ben sahaba qui se fait faire, je dis comment, depuis dans l'époque de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait? Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, quand il dit ça, sahaba, c'est une action d'occupation. Maintenant, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam explique Faraï, il connaît ça, sahaba là, il dit là. On dit, il fait une suivation là, on dit, net. Ça veut dire, il fait une prendre ça, partie connaissance là, avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et derrière, ça ben sahaba là, après, wafat Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui je vous parlais
Donc, il y a un bon parti qui se partait, il y a pas fait jihad, ma Khalid ibn Walid, il y a un domaine de Sahaba, pareil. Et un autre parti que je pouvais faire, je me concentrais dans Darwa. Ça veut dire, je pouvais, il y en a pas dans la Syrie, il y en a pas dans l'Égypte, il y en a qui parlent dans Yémen, il y en a qui parlent dans l'Irak, il y en a qui parlent dans Makkah, il y en a qui parlent dans Medina. Que je pouvais faire, c'est pour faire connaissance, faire Darwa. Explique Hadith de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, est-ce qu'il y a un document, ce qu'on appelle un wathiqa, officiel, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam met en écrit dans son époque, il y a beaucoup ça. Nous ne pouvons pas faire cause pour un nous ne pouvons pas faire cause pour un document qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, dans le sirah, dans le tarif, etc. Donc, numéro 1, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il va dans Madina, il fait un traité de paix en hausse avec Khazad, c'est-à-dire des tribus arabes, il y a à peu près 100 l'année de la guerre en jeu. C'est quand même la guerre bourrade. Ça sent l'année de la guerre là, ça veut dire qu'il y a la guerre tout le temps. Il y a la guerre arrêtée, réconciliée, réarrêtée, y aller pour ça prendre ensemble l'année, il y a la guerre entre eux. Donc, première affaire, on s'en fait mettre ça en écrit. Ça crée des deux pays qui lui viennent là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en écrit là. Deuxième, nous avons traité de paix à Ster quand il finit. Fini. Je viens à côté. On s'en est là, il fait un deuxième traité de paix qui était ça en 20 tribus arabes. Ça des tribus arabes là. Aous et Khazaj. Dans Madina, avec Ben Juif, il fait un autre traité du pays, en écrit en gros, déjà. Troisième instant, nous avons un traité du pays qui vient faire, qui y soit, mais tribu, avoisinant, à l'entour de Madina, c'est-à-dire la liste qui est tout ça là. Et aussi, quand vous voyez, Néguen Lalehizon, on appelle lui Ramul Wufoud, the year of delegation. Quand nous voyons là-haut, plus qu'il y a 100 tribus, pour venir avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pouvait être accord avec Dieu. Et beaucoup de ça être accord là, tu fais en écrit. C'est-à-dire tout ça, même document là, les documentaires, il y en a beaucoup là-dedans, en gros, il y en a. Maintenant, il y en a aussi les qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les qui envoient Kouma ben Lewa, Kouma Najashi, Kouma Kisra, Kouma César. Aussi, ben les autres, vous venez à l'Égypte, etc. Tout ça, ben d'être là, pareil. Il y a encore une escalier, il y a encore existé. Nous avons l'aide qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand parmi ma délégation qui vient de dire, parfois, il y a une correspondance. Par exemple, nous avons Moussa Ilama Al-Kadab. Il y a une correspondance entre avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans sa lettre, il y a un article Moussa Ilama Al-Kadab. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, Muhammad, il y a Moussa Ilama Al-Kadab. Nous avons aussi, par exemple, traité Hudaybiyah. Maintenant, dans l'époque, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les tifés ben sahaba écrivent beaucoup de choses. Qui, ça veut dire beaucoup de choses que je ne pas connu. Par exemple, concernant le sadaqa, zakat, c'est ce que nous disons. Comment pour collecter zakat, comment pour donner zakat, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu fais ça assez détaillé. Pour qui, ça ben sahaba, qui va dire, je peux aller, je peux aller collecter l'argent zakat, ou bien ben sahaba qui reçoit, puis mettre une responsabilité pour porter à ça. Donc tout ça, ben document là, qui en écrit. Ça veut dire quoi, Jimoun? L'Iro de Fetor, qui va être arabe, qui dans le désert, ça veut dire partie nan en yé, partie nan en yé, écrit là-là. Ça veut dire, nuna. Tout ça, même qui chose là, li document d'être, li ena. Maintenant, après la wafat, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on a fait mentionner. Dans l'époque, Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, ça, ben document là, Abou Bakr qui tu peux faire lire radhiyallahu anhu, si tu poses concernant zakat là, les types, ça veut dire l'empire islam n'est plus grand, ça veut dire l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, mais tu existes dans, tu existes l'Arabie, Jaziratul Arab. À partir d'Abou Bakr Siddiq, on commence à rentrer dans Sham. Dans l'époque Omar, je conquérais Sham, je conquérais partie d'Irak, etc. Donc dans l'époque Abou Bakr, dans l'époque Omar radhiyallahu anhu, ça même copie, zakat qui je peux faire là, je peux faire des bosses, essayer de ça maximum sans gouverner, une copie. Pour qui, ça veut dire que je suis capable d'appliquer la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on va quand même dire, il finit faire, il finit faire copie, il finit distribuer, on va dire, il finit venir, il finit faire pareil. Maintenant, quand Mouawiya, radiallahu anhu, l'étil est roi, parfois, il y a même quelque chose qui dit qu'il peut envoyer une lettre. Une lettre, quand je dis une lettre, c'est une lettre officielle là, depuis l'État. Quand il y a quelque chose qui n'est pas connu dans l'ordine, quand il demande Raïcha, radiallahu anhu, concernant qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire par rapport à telle telle situation. Quand Aïcha, pareil, officiel, Aïcha, radiallahu anha, tu peux écrire qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire telles affaires, telles affaires, telles affaires. Maintenant, comment nous finissons mentionner, ça veut dire après Wafat, ça, nous gagnons, là, nous gagnons un joli tadwin dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, tadwin,
dans l'époque Ben Sahara. Après la mort Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, après la wafat Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Ben Sahaba là, nous commence pour gagner ce qu'on appelle Rihla. Rihla, ça veut dire ben voyage. Nous voyons beaucoup, beaucoup Ben Sahaba qui je peux faire un voyage, aide-moi pour aller pour gagner un seul hadith. Après, aide-moi retourner. Ça veut dire que c'est des mois pour gagner un seul hadith. Nous avons Sahaba sorti Madina, final l'Égypte. Et nous avons sorti Madina, final Sham. Par exemple, nous avons Jabir ibn Abdullah, nous avons Zouen Abdullah ibn Unais. Donc, comme ça, nous avons une série. Imam Khatib Baghdadi. Il finit avec un livre, un seul volume. Il a fait un étude. Un livre, un volume, un seul volume. Quand il finit de mentionner tout le monde qui vient faire un rehla. Moi, depuis Ben Sahaba, venu depuis Dabiri, quand je finis de faire ce voyage-là, un an voyager pour gagner un seul hadith, un an un mois voyager avec un mois de l'Isna. Ça laisse sa chaîne d'Arasoula. Je t'en prie, Allah voilà ça. Et il existe ça, un Sahaba là qui finit de dire ça. Déjà, master. Nous prenons. Dans Medina, nous avons Ibn Abbas, radiallahu anhu. Ibn Abbas, vous rappelez, il y a beaucoup de gens qui ont fait gagner dans l'islam. Il y a un savant dans le côté fiqh, dans le tafsir, dans le hadith, etc. Il y a un grand sahaba qui a une encyclopédie dans le livre. Première affaire à ce dire, est-ce que ce sahaba est public comme ça pour lui, il va nous comme ça pour lui. Qui est-ce que tu peux faire après avoir fait dans le sens, dans le sens, il y a avec chaque 20 ans. Ça, il y a mas'ala pour mas'ala. Dans sa vie, c'est un travail qui est différent. Mas'ala pour mas'ala, il parle avec Ben Sahaba. Et mas'ala, il y a jusqu'à 30 Sahaba, il confirme ça. Est-ce que ça, Rasoul Salam, qui vient de donner nous là? Qui vient de dire nous là? Ça veut dire, il parle avec chaque mas'ala, il parle avec plusieurs Ben Sahaba qui demandent. Il y a aller comme ça. À ce dire, ça veut dire là, nous avons ce comment il finit à croyer de l'aide. Maintenant, comment il finit disséminer ça? Comment il finit porter à ce connaissance de l'Astia? L'Ithiéna ben Halakor, par exemple, madame Akadji, il fait de leçons. Sira, il y en a ben leçons, il fait de certains endroits. Ça veut dire, vous mettez ben les dents, etc. L'Ithiéna, ça veut dire, il fait bouche de ben endroit. Si il y a une leçon, il fait de l'Irak, il y a une leçon, par exemple, tous les années, il fait de dans Makkah. Ça veut dire, là, maintenant, si vous connaissez qu'il est Abbas, il fait de Makkah, il fait de leçons, là, qui va arriver. Nous pouvons gagner, ça veut dire pour tout côté là, dans l'empire musulman, ben dit moun pour sortir, pour venir joindre Ibn Abbas. Pareil, comment nous dire, aujourd'hui, jour, ça n'a pas la prendre docteur, Oxford University, Harvard University, etc. Et là, ça veut dire que pour venir avec Ibn Abbas, là, je pour venir parmi ben Rolama Tahiri. Maintenant, ça, nous trouvons une façon de disséminer nos lettres. Une même façon encore, c'est qu'il peut avoir un petit peu de connaissances, comment dire, one-on-one. Par exemple, nous avons. Par exemple, un grand tabiri, Moudjahid, dans sa bien surtout. Moudjahid finit 30 fois par Coran, tafsir Coran avec Ibn Abbas. Qui veut dire ça? Ayat par ayat, ça veut dire Ibn Abbas dit que c'est qu'il finit connecté avec Ben Sahaba. Ça veut dire que c'est même une affaire qui va dire qu'on dit vraiment volumineux ça. Et Ibn Abbas dit l'Ichipé incite ce Ben Zélé pour écrire. Donc, pareil comme ça même. Ça veut dire Ibn Abbas pour plus ancien. C'est un exemple dans eux. Nous venons à Abu Huraira qui vit ici dans ce halakot, hadith, le sahaba. Ça, même sahaba comme ça, Zaïd, qui peut être de son pharaoï. Et même ben sahaba là, ça veut dire, par exemple, comment nous filmons sur le sahaba, même l'autorité, comment nous filmons sur le pharaoï, Zaïd. Ben sahaba, je dis, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, à la fin avec Zaïd. Alors, ça, ça me donne sa recommandation, allez à la fin avec lui. Côté pharaoï, côté hadith, c'est pas pour la fin avec. Abu Huraira. Donc comme ça même, là ben Sahaba, comme ça, ben dans notre film on parle avec Saban, Sahaba, radiallahu anhu. Maintenant, nous venons, nous continuons, nous faisons pour un petit peu des mots. Donc cela me fait gagner, ça veut dire ça, l'époque de Sahaba là. Donc pour un petit monde comme ça qui Patiena écrit dans sa époque là, même Ben Sahaba, ça veut dire tout Ben Sahaba, je suis content qu'il soit Ben Zélé écrit. Et parfois, ben ce que tu peux faire, je peux réciter hadith un par un avec Ben Sahaba là, je peux vérifier. C'est là pour faire correction parfois. Je prends par exemple une classe, un professeur qui a une dictée. Eh, mon fils rate un mot là. Donc, on est déjà passé une goutte. Nous vous guettez. Maintenant, quand le professeur dit, il peut être cahier. Il n'est pas pareil comment tu peux communiquer avec un CZ. Ça veut dire, c'est pour comment dire, pénaliser dans le hadith. Allah Ta'ala paraît comment il préserve le Coran. Ce qui est important pour nous, nous connaître dans le hadith Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala il vient préserver. Donc, nous prenons ça. Il y a des comme ça, c'est-à-dire, Sahaba, je finis en prendre,
je finis de montrer. Ben, tabri, tabri, finalement, il vous montrer, tabir, tabri, et ici on écrit. Mais c'est moi, ne quittez pas, pas comment le dire, comment, par exemple, Bukhari, comment dire, il finit un livre qui est officiel, que vous maintenez, il faut accepter le livre-là, après ça, il faut descendre génération en génération, il passe. Mais c'est moi, maintenant, tu peux écrire. Mais c'est moi, regarde l'université, Imam Bukhari, je viens avec lui. Imam Bukhari, pendant 16 années, il finit faire collection là-haut, 600 000 hadiths Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce livre, il y a 7000 quelque chose qui lui fait écrire là-dedans. Avant chaque hadith qu'il écrit, il dit à mon frère Roussal. Ça veut dire, combien il y a un hadith qui n'est pas écrit là-dedans. Imagine combien Roussal il fait là. Déjà, il finit faire 10 rakat namaz istikhara. Avant, il écrit hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, après ça, après Imam Bukhari, les vins vini, nous pouvons par exemple Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Imam Ibn Hajar, lui, il finit assis avec sa livre-là pendant 40 bonnes années. Ce premier hadith, c'est-à-dire ce qu'il appelle Innam al-Amal ibn Niyat, il finit lire plus qu'il s'en coûte à ça veut dire un petit livret, il dit par 50 pages, 75 pages, 100 pages. Il finit, l'élève qui est ouvert, l'élève, ce travail-ci, on dit une grosse piste, Imam Ibn Hajar. 40 bananes, il finit assise avec sa livre-là. L'air, il finit avec ça. L'air, il finit ça au mal. Ça veut dire, les bons nous comprennent les affaires. Pour ça, rime-là. Pour ça, il finit venir, finit descendre vers nous. Il n'y a pas une affaire qui va dire, finit descendre comme ça, comment nous dire, du jour au lendemain. Maintenant, chaque Sahaba, je tiens pour plusieurs centaines, et la Sahaba, je tiens pour milliers de élèves qui peuvent venir prendre les sons avec eux. Et ça veut dire, les élèves-là, quand on finit dire, beaucoup là-dedans, finit venir, ben, ulama. Ça veut dire ça. Maintenant, on est dans le bouquet, même pas les membres, le bouquet hadith. Par exemple, si nous disons à son discours, nous prenons par exemple Imam Ibn Hajar sur le livre comme ça. Si un dit, de la façon, nous disons une résilie, soyez sincères, c'est une grosse question, mais peut-être pour nous, qui s'acquitte une résilie, Zis Sahih Bukhari, Zis Liga. Sahih Bukhari, nous avons mis des disons, nous avons compris comme ça. C'est sur le même hadith qui est fini. Zis Liga. Peut-être là pour nous, parce que quand nous gagnons du monde, nous sommes passés, nous gagnons du monde. Ça même. Déjà, Master, nous gagnons, ça veut dire, comme nous finissons lié lié avec ce explication. Comme ça, nous pouvons avec ce là. Nous gagnons ça, une grande affaire. Donc, tant ça vient. Tiens, par exemple, on va mettre un imam. C'est un imam qui s'appelle Abu Bakr ibn Atuya. Il finit lié Sahih Bukhari 703. Qu'est-ce qu'il aurait à ça? Et maintenant, je vais mémoriser ça, un hadith là avec ce islam. Et jusqu'à l'heure, jusqu'à ce qu'on dit là, sa hadith-là, je dois compter des salles avec ce qu'on appelle chaîne de narration. Ça veut dire, islam, ça veut dire, moi, je finis à prendre ça avec un tel. Un tel, il finit à prendre ça avec un tel. Il y en a islam, et puis, par exemple, Yale, islam, la chaîne de narration, Yale, il y en a avec l'imam Shawkani, après, il peut aller jusqu'à Bukhari, il y en a qui peut aller au passeport, il y en a qui il y a islam qui traverse depuis l'Inde, il y en a qui peut traverser la chaîne de narration, il y en a qui traverse pas depuis l'Égypte, etc. Donc, par exemple, à cette là il y en a plus de chaînes. Il y en a environ, si moi je fais erreur, 18 ou bien 19 du monde. Ça veut dire, chaque matin, il y a un du monde à ce moment-là avec Bukhari. Ça veut dire, tu vas prendre avec un cher, ça. Tu vas prendre avec lui, tu récites avec lui. L'histoire, l'histoire. Donc, ça, l'étudiant, ça veut dire, ça, l'époque, tout ça, là, il y a encore des gens. Pas Bukhari, Muslim, tout ça, là, collection, hadith, là. Ça veut dire, nous prenons un savant qui, ça veut dire, les films, l'Iva et Bédessa, Mahfunga, Yenali, dans l'équipe de Benjimoun. Et aussi, nous avons en écrit le Manawa Subhanahu wa Ta'ala, le Waqi Allah Subhanahu wa Ta'ala, il raffermi, l'Iman, pour ça, quelques excuses là. Subhanallah, wa bihamdihi, subhanallah, Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Le frère son islam, juste pour ajouter un petit guide, ce que le frère Bakas vient dire. Après, nous essayons d'ouvrir interaction avec le frère, comme ça il va venir boring, comme un frère est capable d'ajouter quelque chose. Quand nous allons apprendre dans Madina, dans la première année, quand nous faisons l'anglaise, nous allons apprendre dans l'université, nous faisons l'anglaise arabe.
C'est une expérience qui ferait bagarre, c'est dire que nous essayons de comprendre un petit peu, nous essayons de comprendre, nous pas comprendre nos situations que nous devons vivre, que nous calculons le Sahaba comme une préserve pour un, nous pas essayer, comment dire, nous essayons de visionner ça à l'époque, là, comment dire, c'était. Dispose-vous d'une façon, sans façon qui nous est quitteuse. Et d'abord, faire classe avec un professeur, c'est un professeur qui s'appelle Mansour, Cheikh Mansour. Alors, première classe qui nous fait avec lui, dans la classe qui va venir à 50, 60, 70 élèves, différentes nationalités, à travers le monde. Première fois, il fait classe avec nous. Alors, il dit, chaque élève, Tchiki d'Arabe qui nous connaît, alors, de toute façon, on va tirer le premier niveau, tu vas le deuxième niveau, tu connais Tchiki d'Arabe. Alors, il dit, chaque élève, il debout, il dit son nom et il dit son nationalité. Alors, c'est pas moi qui vous dis, Anna Imtiaz Mourichus, c'est pas moi qui vous dis, Abdurrahman, Mimad Arashkar, c'est quelqu'un qui vous dit son nom avec son nationalité. Il écoute tous les élèves, là où 50 élèves. Après, il commence à réciter. Toi, tu es un tel député du pays. Toi, tu es un tel député du pays. Capable de faire un ou bien des rires. Avec 99%, il mémorise d'un seul coup d'écouter. Un seul coup d'écouter, il mémorise tout ça là. Ça vous montre, ben arabe. Ça, à l'époque, il ne peut vivre là, c'était là. Et ben arabe, depuis Jahiliya, je suis connu pour ben du monde qui se mémoire vraiment, vraiment faux. Je vais mémoriser ben. Poème, pas beaucoup, beaucoup de versets de poèmes. Alors, ça vous montre qu'il y a un petit exemple comment, ben, comment sa science a dit ça vraiment. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il choisit sa peuple arabe là, nous connaissons que le lien Syrah, nous trouvons qu'il y a un romain, tu peux dire, ça va être arabe là, je ne pas vous pour vivre pour nous, un esclave. Un romain, tu peux dire ça. Un arabe, et d'ailleurs, vous trouvez quand le lien Syrah, l'Arabie, ça n'est pas conquérir par les autres peuples. Tout autour, la Syrie, l'Égypte, Yémen, le nord, le sud, l'est, ils conquérir par les peuples étrangers. Mais les Arabes, je tire tout le temps indépendant. Je fais une préserve beaucoup de qualité. Et peut-être, on va dire peut-être, mais non, il y a un hadith qui dit ça. Malgré qu'ils sont des peuples qui sont romains, tu peux dire nous ne sommes pas vous, nous sommes esclaves, mais peut-être que ça va une qualité qui tient dans un peuple, par exemple, parmi ces bravoures. L'arabe, tu m'as dit, très très faux, très brave. On va nous dire, ce qui est faux, cette mémoire est extrêmement faux. Et nous trouvons que quand l'islam est venu, l'islam est préservé principalement par mémoire. Nous ne pouvons pas se mettre l'emphase un petit peu l'inactuelle intention, le fait que Hadith finit écrire. Oui, mais seulement, rappelle que c'est à l'époque-là, dans ma première époque, Sahaba, plus beaucoup, c'est pas mémoire, mémorisation. Tu es dans Sahaba, tu peux écrire, ma Daberine écrire. L'époque compilation, il commence à partir officiellement fin gain l'autre depuis Omar bin Abdelaziz. Après, il finit l'autre officiel, ben gouverneur, ben différents wilayas, Djaban Ulama commence à compiler le hadith. C'est à l'époque-là qu'il commence, c'est la compilation, mais officielle de la part de l'État, c'est à partir Omar bin Abdelaziz. Alors, ça, je peux vous montrer qu'il y a vraiment sa préservation de la sunna, il y a quelque chose qui. Vraiment, dans lui-même, il y a un miracle. Il y a un miracle, Allah, ce matin-là. Quand nous pouvons lire, nous trouvons qu'il y a vraiment un Allah sur l'armée de ce travail-là, qui est le Coran, le Sunna. Allah, il dit qu'il est une préserve ce Coran. Et Allah, dans le Coran, même, il nous connaît qu'il est préserve ce Coran. Et de ce même Coran, Allah, il nous dit que le Coran explique wa anzalna ilayka dhikr li tubayyana linnas ma nuzila ilayhim. Je vais révéler l'auteur au Muhammad, lui rappelle déjà le Coran, pour t'expliquer du monde ce Coran là. Mais ce Coran est préservé, explication Coran, tout à l'heure, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui explique le Coran, sa explication là aussi est préservée. L'explication Coran, il trouve dans le Sunna. Majeur partie trouve dans le Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas tout verset qui est expliqué par Hadith, mais la majeure partie, une bonne partie de le Coran, élaboré par Rasul alayhi wa sallam. Donc, explication de Coran aussi, fin préserve. Donc, ça, c'est un petit peu concernant. Un petit point à ajouter, là, ce qui bagasse, fin dire. Et peut-être que nous avons posé une question, comme on dit au commencement, vous regardez si mon frère, il réussit à capter sa définition sur le nom là. Right? Je pose question. Alors, nous y a un exemple. Quand nous disons sunna, quand nous cause dans science hadith, le frère Bakas il mentionne sunna dans différents filières, dans différents sujets, nous servons le mot sunna. Quand nous cause sunna, quand nous cause dans filière du hadith, quelle définition de sunna? Qui va venir se capter? Ça que je connais. Parce que le frère Bakas il donne beaucoup d'informations là. Il a fait un tas de recherches pendant combien de temps il est venu là, il prend tout dans. Il va dire, attends, ça, c'est une de nous dans les derniers temps.
Il compilait les vignes. Master, quand nous causons filière hadith, qui définition de sunnah? Des habitudes du prophète. Allez, un petit peu plus d'élaboration. Il mentionne cinq choses qu'il mentionnait. Ça veut dire un N. Parole, N. Action. Approbation. Caractère, description morale, ce caractère. Et facile. Prêt avec description. Puis, physique, description, physique. Cinq itseuses, hein? Cinq itseuses. Parole prophète, innama l'amal ou bin niya. Tout bon action dépend de l'intention. Ce parole. Soit action. Par exemple, innama sahaba, il décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait wazou, il fait l'abattement de ce de wazou trois fois. Ouais, ça, hadith, quand il décrit action, il fait la parole prophète. Et la description, action du prophète. Et là, approbation, comme il mentionne l'exemple de Dob, sa créature qui va en arabe se plonger, une espèce d'iguane comme ça. On ne peut pas l'empêcher, il n'a prouvé, il reste tranquille. Ben, ça avance, je déduis depuis ce silence. Quand il se traverse un prophète, il reste tranquille, je déduis la permissibilité. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas prouve qu'il se haram. Donc, c'est qu'il se déroule devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas déjà nonné. Ça, c'est une approbation, il reste tranquille. Par exemple, un sahaba, tu peux servir un linge qui est importé depuis Yémen, il y a un différent vêtement. En fait, ça m'a fini d'interdire. Ça, c'est une approbation. Description morale. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit honnête. Quand il a fait le coup, il a fait le coup, il a fait le coup. Description physique. Anas ibn Malik, il dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas un jimoun qui est trop long, ni un jimoun qui court. Il dit de taille, il modéré. Pas trop haut, ni un jimoun court. Donc, description physique. Ça, c'est pas le muhadifine, cette description. Après, il y a une mention de l'autre description de la définition de la sunna. C'est dans le domaine de jurisprudence. Fiqh, bien sûr, le fiqh. Elle là-dedans, dans le fiqh, il y a deux façons de servir le mot sunna. Elle là-dedans, sunna, qui je fais, je ne dis pas inclure description physique et description morale du prophète. Quand nous causons le fiqh avec fiqh, il y a deux façons de servir le sunna. Elle lui dit pour sunnah, c'est parole prophète, action prophète, approbation du prophète. Je ne veux pas inclure description physique et morale. Qui fait? Parce qu'il va être juriste, je t'intéresse avec dédié à la loi. Depuis prophète, sur description physique et morale, je ne veux pas dédié à la loi. Je ne veux pas de parole, je ne veux pas d'action, je ne veux pas d'approbation. Après, une deuxième façon, c'est avec sunnah dans la jurisprudence. Moi, je viens de dire une petite chose qui, quand nous fait aller, nous gagne récompense. Une petite chose qui. Quand nous pas, nous, si nous ne faisons pas, nous ne pas pour gagner, péché. Allez, nous disons une parole. Là-bas, il y a une sunna. Là-bas, il y a une sunna. Qui ruling God là-bas pour un péché? Qui ruling God là-bas pour un péché? Permissible, recommandé, détestable, haram. Qui ruling God là-bas pour un péché? Obligatoire. Obligatoire. Réponds ça, répondez. Réponds ça, Ligo. Mais c'est vrai, est-ce que là-bas, il y a une sunna du prophète? Oui, il y a une sunna. Est-ce qu'il y a la contradiction de sa parole-là? Alhamdulillah, je comprends. Je comprends. Alors, c'est une action qui le prophète fait. Quand il dit sunna, quand il dit là-bas, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une action qui le prophète fait. Mais c'est vrai, cette action-là, nous obliger à suivre cette action-là, nous obliger à faire cette action-là pour c'est là-bas? Oui, parce qu'il prophète de l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Uhfu al-shawarib wa arkhu al-liha. Et de l'autre, corrige votre moustache et garde votre labor. Donc, il y a de l'autre, c'est une obligation. Comme le ulama, je dis, Al-Amru yabtadui al-wujub. Alors, ça, c'est dans le domaine de jurisprudence, la loi. Ensuite, un autre filière pour Frère Bakar, c'est une cause, le terme sunnah, c'est avec un autre sens d'un filière de aqidah. Donc, le terme sunnah, c'est vu avec le sens de aqidah, de croyance. Je veux dire que nous disons. Et là, ça va finir comme un livre pour moi, Imam Ahmad ibn Hanbal, qui a vu Sunnah. Là, quand vous lisez le livre, nous vous trouvez ce livre qui est au Aqidah. Veut dire, Sunnah veut dire Aqidah. Donc, une certaine façon de. Façon qui va nous l'avoir servi le terme Sunnah, servi avec le sens de Aqidah. Ensuite, un autre affaire en gros qui fait bagage, une mention concernant la définition, servi le terme Sunnah par rapport à une petite chose qui n'est pas Sunnah, veut dire qui bidra. Hein? Nous faisons la différence entre. Il dit ça qui est le sunna, mais il est prescrit par l'islam, il est mashrou', il n'est pas bid'a. De toute façon, c'est le terme sunna. Il dit le sunna. Ça qui est le sunna, ça.
Bien, ils font partie de la sunna. Par exemple, nous disons takbir, takbir majoudi après namaz, takbir mukayyad, qui ne va pas après namaz, les sunna. Veut dire, ils font partie de la prescription de l'islam. Ils ne sont pas bidas. Alors, ça, c'est un petit peu l'eau, de différentes façons, et ça, c'est important. Parce que dès le départ, quand une métaphysique, il y a un petit peu de temps pour comprendre, quand nous voulons ça, il y a un petit peu là-dedans, l'obligation de s'adhérer à la sunna, qui ferait à ça pour cause de là. Il y a une autre question, mais l'obligation de s'adhérer à la sunna. Mais comment capable d'obliger à suivre la sunna? Vous avez compris, il y a une confusion. Alors, la cause, il y a un peu de temps pour comprendre ça, même, différents termes là, de différentes façons de servir le terme sunna. Alors, ça, un petit peu. Nous laisse ma frère, nous avons un frère, alhamdoulilah, il y a des frères qui graduent dans le côté hadith, c'est notre frère Lukman Atcha qui est présent là avec nos frères. Moi, Béli, Zouem, alhamdoulilah, on vient ajouter quelque chose, on vient faire Asraf, Inch'Allah, lui aussi pareil, il n'a pas une dame hadith même. Alors, nous laisse, frère, Asraf ajouter quelque chose, ou bien si ma frère, on vient poser une question, si ma chèque a téléphone. C'est exonéré. Asraf. بسم الله الرحمن الرحيم. Vous pensez mon frère qu'à accoster devant, comme ça mon frère a été en duo par un plaçant. Vous pensez un peu devant. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد vous pensez que la prochaine fois mon frère quand vient d'Endora il va parler avec une cause d'Endora à qui c'est le monde vous pensez vous avez le papier qu'il imprime avec lui parce que ça travaille qui ça coule là. Et les chourats qui décident ça, ils passent pas un workshop avant nous venir. Alors, disons, raison principale qui décide de ça, d'aura là, c'est pas sur l'importance de nous dire. Bon, ça, il faut venir, Inch'Allah, cher Zoubet, pour expliquer après Maghrib, et moi, vous expliquer après Inch'Allah, nous, vous continuez expliquer après. On peut essayer, ajoute des petites choses aussi qui frère Bakas n'est fait. Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, comme je l'ai écouté, d'un hadith. C'est un hadith qui dit qu'à Abu Huraira, dit d'Abu Daoud, dit que personne n'a pas un hadith plus que moi, excepté Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu. Il dit qu'il fait, فأنا لا أكتب وهو يكتب. Et ce qui, ça me finit dire, ce qui je lis alors qu'Abdullah ibn Amr al-As jamais n'a pas récité hadith Bakir. À chaque fois que je vous apprends un hadith, et ça livre un hadith qui n'est pas là, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de poser partout. Après, vous avez des enfants, ils viennent me rire là-dedans, ils déchirent. Non. Il y a une place spéciale, les gens qui ont dit, quand je vous apprends un hadith, ils peuvent tirer ce livre, hadith pour le lire. Alors, deuxième affaire, dans Tadouin Sunna, ce qui m'a pas ajouté, ce qui m'a fait finir causer, c'est que Abu Bakr radiallahu anhu c'est un hadith écrit, Ali radiallahu anhu c'est un hadith écrit, dans l'époque Sahaba. Dans l'époque Tabi'in, là, l'écriture du hadith est bien commun. Ensuite, finalement, nous prenons de Tabi'in, Tabi'in, nous finissons en de Muwatta Imam Malik. Ça veut dire, pas qu'il n'a jamais une coupure entre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à un livre qui est ma'rouf, qui est connu, comme Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daoud, An-Nasa'i, Muwatta Imam Malik. Tout ça, c'est un livre hadith qui est là. Il n'y a aucune coupure qui est coupée entre l'écriture du hadith et jusqu'à Rasoul Sampan. Il a tout le temps fini dans sa époque de l'écriture. Il y a des sons qui, Moustala Hadith, sont capables d'avoir eu cette session. Il y a à peu près, je ne sais pas combien de sessions il y a là-dedans. 29 sessions. Il y a une session spéciale avec tout près pour montrer que le hadith n'a jamais fini une coupure dans sa documentation. Tout le temps, il y a écrit. Et excepté ce hadith qui est le Coran. Quand on dit Coran, ça veut dire c'est man qui une résette sunna. Je vous serai un hadith pour dire que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas écrit. Alors, sa réponse,
c'est qui a fait, qui prévient une série pour venir pour venir à Bakir? Hein? La Taktou. Ah, non, qui dit ça? C'est la Taktou ou la qui dit ça? Ah, c'est-à-dire le Coranien, il vient de servir Hadith, pour venir pour ça pour venir à Bakir Hadith. Vous dites, non, il y a un Coran qui dit à Bakir Hadith. Tu vois qu'il va servir Hadith comme tu prêves. Nous faisons comprendre que le Cheikh Al-Islam et Taimiyat, rahimahullah ta'ala, les dire que tout le monde qui compte le Coran et le Sunna, quand vous êtes prêt pour dévier le monde, vous connaissez un monde qui n'est pas fait consciemment. Et un monde qui croit dans quelque chose, il croit ça vrai. Par exemple, de nos jours, un monde qui croit qu'il n'a pas le droit de répondre à l'autorité, il croit, il peut redamener prêt pour montrer ça, sinon il n'est pas vraiment dit. C'est pire mensonge, c'est pire djihalat pour dire qu'il n'a pas un droit de lever contre une autorité. D'ailleurs, le mot lever contre une autorité, c'est jamais une série dans l'Estelah Shari'i pour la parole. Tout le temps, c'est des hommes. Oui, ensuite, dans le nouveau létan, il y a une nouvelle explication qui dit pas sorti contre l'autorité, mais en parole. Ça va exister dans les faux Sahaba, Tabi'in, Tabi'in, et parmi les ulama. Zami finit la coupure dans l'écriture hadith, et l'écriture hadith finit tous les temps. Et bien le Coran, ce premier prêve qui commence dans le hadith, pour venir dire pas écrire hadith, ni servir hadith. Et ce prêve le hadith, pour venir nous pas écrire hadith. Cheikh Al-Islam est émis, rahmatullah, il dit une affaire. Écoute sa parole là bien, il dit tout man prêve, qui ban moukhalifin, veut dire man dimoun qui compte pour rendre son nom, je te servis. Même les consciemment ou bien inconsciemment, nous fait bénéfice du doute. C'est-à-dire un djimoun, il peut mal croire, il peut mal causer, il peut mal penser, il peut mal analyser, il peut mal donner son jugement, c'est moi qui est sincère. C'est-à-dire qu'il ne peut pas jouer ordine. Ça un groupe djimoun. Un autre groupe djimoun, il peut jouer ordine. Tous les deux groupes djimoun, quand je t'amène un prêt pour compte, le Coran avec Sunna, dans sa prêt, puis je t'amène là, il y a une autre réponse là dans même. Est-ce que ça clair? C'est ce qu'il nous a mis, rahmatullah alayhi dire. L'itchi est qui? Comment le Coran ici? Il me dit, mais comment je fais un hadith pour faire un PC très hadith? Je lui ai dit, continue à faire ça, qui pour faire un PC très hadith. Je vais dans le sunna. Oui, ah bon? Ah, dans le sunna, il me dit, pas un PC sunna, c'est moi qui te servi sunna, l'un pour vivre aux autres. Oui, c'est pur, c'est l'imbécilité. Laisse-moi. Je vous dis que, bon, l'écriture hadith, il me contient, avant Imam Bukhari, beaucoup. Et ça, il y a des affaires connues. Alors, c'est manque de connaissances qui. Pousse du monde pour faire ça. Moi, je vous dis une affaire numéro 2, c'est que moi, j'ai envie d'ajouter avant, parce que là, c'est un moment d'ouverture. Moi, pour ouvrir, je pose une autre question. Une affaire, nous devons comprendre. Vous dites, mon frère, franchement, ça live, et je prends là comme témoin, et ça l'assemblée comme témoin. Vous pouvez dire, franchement, nous devons comprendre que la connaissance islamique est beaucoup, beaucoup, beaucoup grand. Et nous, Ali Maurice, prend tout diamant, et tout moufti, tout alim, nous niveau connaissance très faible. Nous devons comprendre ça. Faut nous comprendre ça pour nous pas bilier mes affaires. Après, puis temps nous gagne embêté. Par exemple, un frère, il envoie moi un message quand il finit écoute mon leçon coranienne. Par contre, si je me récite écoute leçon coranienne, beaucoup d'un autre vous pose question. Si je mets la question, beaucoup d'un autre parce qu'il s'appartient, il pas fait une partie comme un titre dans nos programmes. Mais dit, je vous rends dans un chapitre. Mais vu qu'il y en a les temps, mon cas d'un autre point là assez vite, je suis capable d'apprendre assez vite. Mais seulement. L'État, quand il finit de faire des leçons coraniennes, frère, il a analysé. Et quand il finit d'analyser, je vais te dire une affaire de point numéro 2. Quel est le coranienne? Leçon coranienne? Dans le point numéro 2, je vais dire Madar al-Ilm. Tellement connaissance est vaste. Aujourd'hui, il y a un peu lié un petit peu. Il y a un challenge. Il y a un qui narcissait devant l'université. Ce n'est pas possible. Imaginez ce qui narcissait devant l'université. Même sur Ilm, nous ne pouvons pas honte, nous, mon frère, pas confirmé. Nous avons honte quand on compare nos connaissances avec les talabs de l'ilm dans le monde. Nous avons honte, mais je suis vraiment honte. Nous ne sommes pas capables de proclamer ce qui nous a pas été, nous très faibles. Imaginez que le Coran se tafsir, mais nous ne pas contre ayat, nous avons besoin de back to something. Puis les talabs de l'ilm, maintenant, nous avons besoin d'un Coran, nous avons besoin d'un sabab de Zoul, nous avons besoin de ce tafsir qui veut dire, nous avons besoin de ce ikhtilaf, nous avons besoin d'un ahkam, de la loi qui sortit. De ça être Coran. Non, vous donnez un exemple. Quand nous faisons hadith, 20 talabat al-ilm, et 20 talabat al-ilm, nous avons 6 livres hadith, ça pas ok. Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Nassai, Tirmidhi, Abu Daoud. Je ne connais pas ok. Et je ne connais pas ok avec ces 5 narrations.
Et nous arrivons à des affaires qui, quand nous nous terminons, nous finissons, bon, pas terminer, quand nous graduons BA, quand nous venons ça même master ou un PhD, je pense qu'il y a une fausse compréhension qui s'arrête de nous, c'est un alim. Non, nous pas alim. À ce temps-là, frère, quand nous finissons pour nous, il peut pressionner. Je me dis, on fait un débat avec eux et Dieu est kafir. Je dis, non, pas mon travail ça. Mon travail, moi, faire bayan, qui veut dire un djimoun qui dit résident sunna, c'est un kafir. Ça, c'est sur la loi. À ce moment-là, je dis qu'il y a un djimoun dans l'assemblée, là, il résident sunna. Est-ce que moi, je vais dire kafir? Puis ça, avant de dire ça kafir, il y a une longue procédure, ça. Ce qu'il appelle fait takfir moyen. Ce qu'il appelle veut dire takfir moyen. Là, à ce moment-là, je vais dire, et mon dieu dans mon leçon, si je mets tout le monde dans mon Maurice, je vais nous faire un bayan. Quand nous disons que tout le Coran qui a adopté l'Afrique de la Coran, il faut vous signer. Mais c'est moi, je ne suis pas capable de venir me trapper un petit monde et me dire toi, tu es un kafir. Pourquoi faire ça? Parce que ça, il y a beaucoup de conditions. Parce que le monde qui peut dire ça, il ne peut pas même comprendre ABCD, il finit avec l'opposition de rejet de Sunna. Vous comprenez ce que je veux dire? Un petit monde qui prend ABCD du côté de si je dis que sur la Fatiha, il ne va pas venir. C'est moi qui viens dans le Coran qui me résiste sur le Coran. C'est moi qui viens avec ça. Je vais assister pour faire un débat. Je vais faire un débat avec un débat qui est connu sur la Fatiha. Pour finalement, je vais mettre un café. Mais ça, c'est pas qu'à faire ça. Alors, ce bandit, je trouve force, nous, pour nous rendre dans la guerre, mais nous ne pouvons pas nécessaire faire ça. La guerre, les amis, nous pouvons proclamer. Je ne vais pas connaître si vous pouvez me dire, Cheikh Mtiaz, Cheikh Lokman, Cheikh Zouheb, n'importe qui Cheikh là, qui nous pas alim. Nous avons besoin de comprendre qu'il nous pas arrive, nous avons fait recherche pour nous donner quelque chose. Nous pas, c'est moi, alhamdoulilah, parmi les talabas, il y a un talabas très fort, il y a un talabas qui est extra fort, il y a un talabas spécialiste, c'est une autre quelque chose, mais c'est moi, nous pas arrive. Est-ce qu'il s'appelle? Et vous pouvez dire ça, franc, même quand il met une petite moufti avec eux, parce qu'il programme, qu'il fait eux, une moufti, même quand il y a un programme, vous pouvez dire un programme là, very weak. Qu'il va nous donner ce temps de haram à Nabawi, plus fort qu'il s'appelle programme de vin moufti là. Alors quand nous disons moufti, un djimoun y a un moufti, il met sa titre là, il s'agit de signer dans la place Allah et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est tawqi anillahi wa rasouli. Ben ça fait facile ça. Bon, moi j'ai envie de faire ça déclaration, c'est une question. Sinon moi je peux donner un 10 ou 15 minutes, moi je peux donner 10 points principaux qui fait un djimoun vin pour un djimoun et se réponse. اكتبوا لي أبي شاه ما هذا في 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 الزكاة ذكر شنو كيت كيشون شو انشبلو انتين دشون لو جروة تعديل كم من ريزيف من بيوغرافي من نعاتي دو حديث بون في بينا كيشون بون 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 Si nous avons un peu de temps, comme les affaires, Adab et Kabbal, s'opprès, sorti du Coran, à Naro, Yuradon, Aleha, Rodou, Awa, Ashir, Yom Al-Qiyamati. Allons, Firan, Ashadir, Adab, la Surah Ghafir. Ça veut dire, dans la Surah Ghafir, parce que Adab et Kabbal, un djimoun n'y pense pas l'esprit, ni divin. Il dit, moi, j'ai une petite question pour poser, ça peut fatiguer moi. Moi, je dis, comment nous commençons à gagner une punition de Kabbal quand nous pas encore gagner un jugement. Il pose une question. Il n'est pas qu'à venir dire peine à Zabé Kabbal parce qu'il n'y a pas encore un jugement. C'est toute sa différence qui. Comment je vous arriver à une conclusion? Et beaucoup, beaucoup comme ça. Quand il n'y a pas rentrer dans un interrogative statement qu'il fait. Il fait un decisive statement. Il dit peine à Zabé Kabbal tout. Et résiste à Zabé Kabbal, on l'amène d'accord. Et celui qui résiste à Zabé Kabbal, il peut résister.
une petite chose qui s'habite dans le fond d'Achondine. Imaginez qu'il y a un peu de Jamal, ce traité arabe, à cause des hadiths Ahad. Vous avez fait des hadiths Ahad, quand ça, hadith Ahad, c'est une explication. Vous expliquez un peu, vous expliquez ce qui veut dire Moutawatir, mais là, vous avez expliqué ce qui veut dire Ahad, avant vous avez expliqué ce qui veut dire, est-ce qu'il est réel, ce qu'il veut dire. Bon. Ça veut dire, sa réponse est ici, pour vous avez un arabe et le Coran. Déjà, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, hadith Uthman radiallahu anhu, de Tirmidhi, il dit que le hadith de Musnad Ahmed, ou bien de Tirmidhi, Uthman radiallahu anhu, un sahaba dit, ya Uthman, nous trouvons quand tu arrives du Jahannam Qabar, tu es plus père et tu es plus pleuré qui cause Jahannam avec toi. Qui fait? Il dit, Sami'tu al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, il dit, إن القبر أول منازل الآخرة. Parce qu'il m'a fait entendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire que le qabar c'est le premier l'étape de l'akhira. Alors, ce que nous pensons, ce que nous nous disons, ce que moi je pense, ce n'est pas rien du tout. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui ne connaît même pas qui connaît que l'adab et le qabar sont prêts dans le Coran avant dans le Coran. Parce que dans le Coran, il dit وَإِنْ جَاءَ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ نو أَدْخِلُ عَلَى فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ alors c'est une punition qui allait Pharaon peut gagner et jour qiyama il peut gagner une punition plus sévère qui côté ça a punition qu'il peut gagner en premier là qui côté après tout ça là il pouvait venir comme une explication pour venir échanger au parole presque pas les temps, je vous trouverai comment qui sunna ils font partie dans sa Coran ce complément. Bon, Cheikh il pose une question, il dit la connaissance qu'appelle la jahra wa ta'dil. Ulum al-hadith, par exemple, le Coran, il y a plusieurs connaissances en bas connaissances Coran. Il y a le Coran, il y a même une qira'at, ça veut dire lecture Coran, et que ce différent façon de lecture qu'il y a. Nous avons un tafsir Coran, nous avons un usul tafsir, nous avons un ahkam al Coran. Tout cela, c'est même une connaissance qui sortit depuis en bas al Coran. Quand nous pose hadith en bas, ça, principalement, il y a quatre connaissances hadith. Il y a mustalah al hadith, il y a al rijal, il y a takhrij al hadith, après il y a ilal al hadith. Ça, c'est quatre connaissances hadith principales qui sortit en bas, ce qu'on appelle hadith. Qui est dit ça? Mustalah al-Hadith, il explique une terminologie qui donne connaissance à l'Isserie. Et dit, Mustalah al-Hadith, il a dit, il a dit le YouTube, je regarde, il y a 29 sessions, et il facilite les livres, il en 5 livres, il summarise pour eux. Deuxième connaissance, c'est Takhrij al-Hadith. Qui dit Takhrij al-Hadith? Je vais vous donner un exemple. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Bouniya l'islam ou ala khams. شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة. ده ندري وايد يجيه لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. مم حديث. سأقول مم الإسلام هنا سانك بيجي. ده إن رواية بيجي لا إله إلا الله. ده ندري رواية بيجي شهادة أن لا إله إلا الله. أستيب عن علماء زود كي يسوفير. زو بالغود لا سين نعاشو ده سحديث لا. pour montrer est-ce qu'il c'est des hadiths différents ou bien c'est même hadith. Ou c'est et sa hadith là, de combien de livres il paraît. Et combien de sahaba il récite sa hadith là. Et combien de narration il y a sa hadith là. Ça n'appelle ça takhrij al-hadith. Clair? Troisième connaissance dans le hadith, c'est ilal al-hadith. Ilal al-hadith veut dire. Quand nous avons hadith là, nous avons tout bon là. Alim là, quand nous avons hadith là, il n'y a pas tout bon. Il n'y a pas tout bon là. Il peut le rôder. Qui ça qui est pas bon dans sa hadith là? Qui dit de son matin, de ce texte, ou bien de son chaîne de narration? Ça appelle ça Ilal al-Hadith. Et un livre qui écrit Ilal al-Tirmidhi, parmi les livres qui sont plus connus, nous nous faisons Ilal al-Tirmidhi dans l'école. Combien de connaissances nous avons là? Numéro 1? Le Hadith? Mustalah al-Hadith, terminologie Hadith. Il faut expliquer là-dedans tout un terme qui servit de connaissance Hadith. Numéro 2? Takhrij. Qui est ça, Takhrij? Il faut le rôle sa Hadith là, tout sur une source. L'élément 4 ou d'un livre, un hadith se trouve dans 32 sources, par exemple. Ouais. Numéro 3, Ilal al-Hadith. Là-dedans, qui était, quand nous nous mettons des hadiths là, nous devons tout bon nous. Qu'est-ce que nous devons?
And by in Yen Hadith. Écoute ça. Yen Hadith, Ahlul Bayt, le Coran, c'est man madame de Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. C'est vrai. Innama yuridu Allahu li yudhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira. Allah veut dire man madame Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Ahlul Bayt. Il dit, mais ça veut dire tout ça, les autres hadiths qui veut dire Ahlul Bayt, allez, c'est pas Aqil ou bien allez, Tariq, ça tout ça la fausse. On ne peut pas comprendre avec cette petite connaissance de moins cela. Comment nous arrivons, nous pouvons finir faire conclusion. Nous ne pouvons pas comprendre, cher, mon lié ça, moi aussi, je ne peux pas connaître, je ne peux pas faire une recherche pour vous, pour vous de nous. Même affaire avec ça, quelque chose de Baï Salim là. Vous devez parler avec les gens là. Les gens, ça veut dire ça va un hadith, ça résiste. Vous dites, non, vous allez, je vais résister. Alors, ça, c'est ça, le tachrid hadith. Là, il appelle Ilal Hadith. Ilal Hadith, nous nous mettons des hadiths. Et la contradiction. Alim n'a pas dit pas de contradiction. Et c'est moi l'idée qui pourra le rôder. Comment capable, si tous les deux authentiques, qui fait lui oppose un à l'autre. Il pourra le rôder sur l'explication de vous de nous. Et Abdullah ibn Mubarak lui dit Amin n'est pas qui hadith qui se tourne authentique et contradit un à l'autre. Moi, je peux me dire vous êtes de nous. Mais nous ne nous pas connus. Nous ne pas connus faire ça. Alors, quatrième ilm hadith qui est là, c'est Adjar wa Ta'adil. Là, vous suivez. Adjar wa Ta'adil, qui veut dire? Il y a un livre qui écrit, beaucoup de livres, Mizan al-Irtidal, beaucoup, Asad al-Ghaba, Siyar al-A'lam al-Nubala. Qui veut dire ça? Écoute bien, ban ulama, je ne prends un hadith. Nous prenons par exemple hadith an. Imam al-Bukhari, par exemple, ce cheikh avec un Nafi, un Ibn Umar, un Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, un hadith avec un sanad qui coûte. Un sanad qui coûte veut dire entre imam et Rasoul et Nazis, 3 ou bien 4 djimouns. Ça va l'alim qui vient là, ceux qui commencent à faire, je commence à prendre chaque djimoun qui font partie d'une saine narration à le reconcerner dans leur vie. Qui vous fait? Si il y a A, peut dire B indir, peut dire C indir, peut dire qui Nafi indir, Tabi'in, qui Ibn Omar indir, Sahaba, qui Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam indir, ben là je peux analyser A, B, C avec Nafi. Sahaba je ne peux pas analyser. Parce que tous Sahaba, je suis adoul. Ça finit donc d'accord avec le Sunna et le Jama'a. C'est pour ça qu'il est très facile pour un Mauricien de comprendre. Je trouve un Jama'a qui paraît dans Maurice. Les bégos contre Mouawiya, c'est-à-dire les bégos contre Katib al-Wahi, les bégos contre Sahaba. C'est un attaque de prédiction parce que n'importe qui s'en attaque un Sahaba, c'est un zindir. Pas un droit d'attaquer un Sahaba. Ça n'a pas un droit là. Pas moi qui dis ça. Pas Ibn Taymiyyah qui dis ça. Ça c'est Ijma al-Sunna wal-Jama'a. Même dans la résolution de ce qu'il appelle Sunna al-Jama'a de Maurice de Zod Masjid, il écrit ça très clairement qu'il ne pas rentre, nous pas attaque aucun Sahaba. Et ma discussion qui finit là entre Sahaba, nous pas pénétrer là-dedans. Ça c'est Akhidat Tete, Ahlou Sunna wal Jama'a, même en guillemets Sunna Jama'a de Maurice aussi, lui aussi, je tombe d'accord dans sa résolution là. Mais pourtant, dans Maurice, il y a un Jama'a qui me paraît, qui peut attaquer Mouawiya, ou bien attaquer Khalid ibn al-Walid, ou bien il attaque encore un Sahaba. Et ma Maurice, il suit. Et encore, il suit. C'est qu'il appelle Ahbash. Clair? Il suffit. Position un musulman envers Sahaba pour qu'on ne s'y parle dans les gommes ou bien dans la droiture. Parce que ça, c'est une facile, c'est un critère qui différencie entre un djimoun qui dit la vérité et un djimoun qui dit la fausseté, c'est attaque Sahaba. Clair? Alors, qui fait ça? Qui fait ça quand c'est l'importance là, ça critère là? Un djimoun qui pose contre l'Arabie, mais il tombe dans Pierre Dichot. Il y a un critère qui savant une métier où ça, Ahl Sunna tombe d'accord, si tu poses contre l'Arabie, ça veut dire que tu dois Pierre Dichot, il y en a. Nous, bien, par contre, tout ulama est d'accord, quand on veut dire ulama de l'époque, qui c'est lui qui cause contre un sahaba, c'est un zindi. Right? Qui fait ça? Qui fait l'importance? Parce que l'ayat Coran infini dit radiallahu anhu wa radu anhu. L'ayat Coran infini dit radiallahu anhu wa radu anhu. Ça veut dire, quand Allah subhanahu wa écoute bien que je vous mon frère, prends compte ça bout là. Si le Coran finit de dire ça, man sahaba là, Allah est satisfait avec eux. Est-ce que Allah peut descendre avec le Coran? Pas tu connais pour la guerre entre sahaba? Oui, non. Allah tu connais?
Tu connais bon la guerre Siffin? Tu connais bon la guerre Aïcha? Tu connais bon la guerre Karbala? Tu connais bon la guerre Jamal? Tu connais? C'est-à-dire Allah, avec sa connaissance de tout ça, la guerre qui pourrait être en Sahara, il purifie tout ça, en Sahara. Mais pas capable de dire que après, c'est le poids de Sahara pour ça, la guerre. Parce que nous avons un wahi qui est en train de se faire. Nous n'avons pas un wahi qui est en attaque. Clair ce point-là? Ce point-là est mentionné par Cheikh Saïd Al-Kamali dans une leçon. Le Sahaba, un point très très important et faux. Wahi, il dit Allah est satisfait avec eux. La guerre, il est là en eux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, l'Ikalim Metsa, radiallahu anhu wa radu anla, ça pour rester jusqu'à ce jour Qiyama. Et Allah, sa parole vraie, ce qui dit Mounjia pas vrai. C'est-à-dire, ce qui nous comprend, c'est qu'il y a beaucoup addition dans l'histoire de man la guerre pour faire du Moun dégoût de man Sahaba. Alors, Djerwa Tadi, man ulama, je n'analyse chaque personne qui paraît dans sa narration, right? Alguer sur la vie. Tu fais cela, mais tu l'as sunna, mais tu fais bidet. S'il peut travailler ce travail halal, est-ce qu'il cause menti? Est-ce qu'il se hibs du faux? Quand confirmé, ben là pour faire ce ta'dil. Ce ta'dil veut dire, je vous dire, qui par exemple, Azayat ibn As-Samman, sa rawila, tic, yoke. Okay. Par exemple, pour gay, enfin, un rawi, n'importe sana, cheikh, rawi da'if, n'importe sana. Ibn Lahiya. Par exemple, Ibn Moulaïk, Ibn Kulaïa, ou ça Moulaïk, il y en a un raoui. Comme maintenant, on a analysé tout correct avec lui, c'est moi tout le temps quand il récite un hadith, il brille. Par exemple, un raoui, et dans une analyse sur la vie, ça raoui là, il tout le temps il brille. Ça veut dire Seyyou al-Hiv. Ça veut dire pas pour faire ta'adil, pour faire djerh, pour dire qu'il s'agit de tout le temps l'oublier quand il cite Hadith. Gagne l'autre Jimouni, il y a une cause menti. Il paraît dans une scène narration, ben Alim pour dire, par exemple, Abdul Rahman, il y a un Jimouni qui voyage à telle place, son professeur est tel professeur, et il est nazélé, et il y a une cause menti. C'est une haine accusée de mensonge. Une haine kadab, une haine muttaham bil kadib. Mais ça dit là, je te hadith tout le temps pour faire. Ben ulama, je travaille le sac en rawi qui paraît dans ma sainte narration et dans ce jugement, est-ce qu'il est passé ou bien il fait en tant qu'un narrateur, nous passer bien. Pas nécessairement qui dit vous l'avez déjà un ami, hein, pas ça qu'il nous veut dire. Faire attention, nous veut dire est-ce qu'il son narration pour accepter ou bien son narration pour rejeter. Ça, moi, je dis, ce qu'il appelle Djerwatari. Mais ce qui est arrivé dans Maurice, et même Djimouni Vini, pareil, je le resservis sa connaissance de Djerwatari. Là, vous êtes attaqué tout le monde qui me fait d'avoir. Mais tu n'as pas à l'imtir ou t'as dit, toi. Ça travaille de approuve un rawi, un narrateur. Et rejeter un narrateur, c'est travail de Asraf Janouza. Ou c'est travail de un alim qui est spécialiste dans ce domaine-là. C'est là. Mais dans Maurice, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, ils ont un petit cause menti. D'ailleurs, ils ont un petit masjid. D'ailleurs, ils ont un petit vise masjid partout. Assez limite dans sa position de. De faire djerh ou ta'dil, ça veut dire Sadaï, Lukman Acha, Ikhwani, Imtiaz Abdul, Khutbi, Asraf Janou, Khawarij, par exemple. Mais qui tu es toi? Tu es un alim djerh ou ta'dil? Est-ce qu'il te remplit condition de sa alim qui lit? Mais tu peux faire ce travail de approuver un narrateur ou bien résider un narrateur? Tu peux dans ça, toi. Et d'ailleurs, nous font partie d'un alim qui tombe dans le hadith? Non. Mais pourtant, il y en a beaucoup fitna dans Maurice. Il y a beaucoup d'attaques dans le monde qui veut faire d'Awa. Est-ce que ça clair? Sous-titre, Djerwa Tadil. On avait fait Djerwa Tadil. Et Djerwa Tadil, là, c'est pour les autres, ça. Ce qui donne nous Djama, c'est Djerwa Tadil. Ce qui est avec nous, with us, tout ok. Ce qui est against us, tout pas bon. C'est ça. Radiallahu anhu. Radiallahu anhu. Est-ce qu'il y a quelque chose? Bon, c'est la question, lui à cause des temps. On a compilé 8 raisons qui font un djimoun vin pour l'anion. Un djimoun bien assisté, il peut écouter. Là, après, il est vin pour l'anion, ça veut dire qu'il résiste à l'anion. Numéro 1, c'est quand nous louons avec Allah subhanahu wa ta'ala, jala jala l'hu, et nous pas supplier Allah pour lui guider nous et lui guider nous faire.
Ça veut dire que Shaitan fait ce qu'il a envie avec nous. Qui dit moi? Qui dit où? Qui est un orateur? Qui est un khatib? Qui est un imam? Qui dit maulana? N'importe qui s'en là. Une fois. D'ailleurs, ben scénario mauricien peut montrer qu'il y a un jour qui n'a pas trois amis de la tête qui est capable de dire si ben leader ou enseigne sunna, à ce jour, il y a un Coran. Écoute ça là. Quand tu as ça qui nous vient de traquer, là, que ça n'a pas baillé là, ou ça, oh Allah, préserve-moi. Qui traque nous vient de traquer là, quand nous t'en ça? Bon, ben, c'est lui qui est considéré dans un certain moment comme leader de proclame et enseigne sunna, à ce jour, il y a un Coran. Vous connaissez qui ça, quand ça qui vous a fait? Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Pas bizarrement, on vit qu'on est que ça, parce qu'on va vous dire que ça n'a pas ça. Parce qu'il est capable d'arriver, tu mets, ce qui nous paye tout, là, ça, et l'autre du monde, nous ça arrive à une affaire, là, il n'y a pas beaucoup. Mais nous, quand nous tenons ça, nous faisons demander avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fait nous vivre le Coran avec sunna et nous mouons le Coran avec sunna. Ça, c'est point numéro 1. Numéro 2, c'est faiblesse de connaissance. Faiblesse de connaissance. Alors, Saint du monde, il écoute un YouTube. Puis j'ai dit, moi, comment tu as tout ça logique qu'Imam Bukhari, il met un hadith de ce livre, qui quand Moussine tombe de te gilet, tu prends Moussla, tu plonges dans le bois là, après tu bois là. J'ai dit, comment tu as accepté ça? C'est-à-dire, il dit, puis il y a connaissance. Alors, manque de connaissance, faire un dimon, faire une conclusion. Je vais vous montrer une conclusion qui va être salim. Aïla, Allah, il a dit, je ne vais pas faire aucun agrément avec Salim pour vous dire ça. Qui un djimoun peut dire peine à la bekabar parce qu'il fait une conclusion pour lui. Mais tout le monde dans Maurice commence à faire une conclusion pour eux-mêmes. Ça, c'est deuxième raison. C'est qu'on ne pas comprend l'enjeu de la connaissance. Connaissance qui est bien vaste et qui est bien large. Et nous disons un khadim de connaissance. Nous pas alim de connaissance. Nous un khadim, nous un serviteur de la connaissance. Nous devons faire des efforts pour nous prendre après nous donner de ça. Point numéro 3. C'est quand du monde ne comprend pas que sunna c'est wahi. Quand du monde ne comprend pas, qu'est-ce que c'est? Sunna c'est wahi. Prophète Kapekos dit, c'est wahi. Qui continue à prendre ça nous? Quand le Coran dit ça? Surah Najm. Wama yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuhasabiyya sunna c'est wahi. Clair alors? Mais quand sunna c'est wahi. Quand Allah protège le Coran, ça veut dire protège le Sunna. Ah, c'est ça, Sunna, là, lui. Quand du monde résiste à accepter que Sunna, c'est Wahi, c'est à ce moment-là, il rentre dans le Coran. C'est à ce moment-là, il rentre dans le Coran. Et numéro 4, il peut dire que le Coran est protégé, Sunna va protéger. Mais nous, quand nous finissons de montrer que le Coran, Sunna, c'est Wahi, ça veut dire qu'Allah protège le Coran, il aussi protège. Je vous donne un exemple. Cheikh Nza, il s'est dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit sur la 16, verset 89, que Allah peut dire, non, 16, 44, que Allah peut dire qu'il nous descend au toit avec le rappel. Il s'est dit le mot qu'il dit pour qui ça fait? Avec, il s'est dit pour qui ça fait ici? Pour le Coran. Le Toubayin Alinas, pour te clarifier aux gens. Alain protège, qui a fait Alain protéger? La surah Hijr. Inna nahnu nazalna avik. Il servit même mot, ça c'est miracle Coran. Alain servit même mot quand il dit qu'il protège Coran. Il ne pas servir le mot Coran, il servit le mot dhikr. Et quand il dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il descend le lit avik pour lui clarifier, il servit même mot. Pour montrer que Coran avec sunna, c'est complément de un à deux. C'est moi qui explique l'exemple de comment Sunna est obligé à être préservé. Un exemple de ça. Surah Tauba. Allah dit Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ard minha arba'atul hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah dit dans Surah 9 verset 36, il dit Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض كي كنت الله إن 12 mois des besoins créés les avec les la terre. Combien mois? منها أربعة حروم. Combien ça fait? Qui ça quatre là?
Non, pour nous, nous comprenons le Coran, on a dit. Il peut dire le Coran, même là, mais nous nous disons, il y a nous qui sommes 4 mois, que Allah subhanahu wa ta'ala, il est sacré. Parce qu'il y a l'autre Allah dans ça, 4 mois là. Qui l'autre Allah? يسألونك عن الشر الحرام قتال فيه سورة بقرة قل قتال فيه كبير والصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله إنما لا الواقع يقلي كلا سكات مولا بقين غلا غير لا سكات مولا بكي كات مولا بقين غلا غير محمد سا سفر سا ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى جماد الثاني رجب شعبان رمضان ذي القعدة ذي الحجة شوال ذي القعدة ذي الحجة كي كات مولا بقين غلا غير كي كات مولا Hein? C'est un bon enseigne nous qui 4 mois. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, ça ayat Quran là, son implémentation, les mu'allaq, les pending aussi longtemps qu'il n'y a pas rien. Pas rien d'explication de ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais si pas une préserve sunna, mais qui peut arriver ça ayat Quran là? Il est tombé. On enseigne l'exemple. Al-Hajj ashur ma'lumat. Hajj, d'abord, moi prescrit. Qui moi? Hein? Qui moi? Hein? Et j'ai fait le Hajj à Muharram, j'ai fait le Safar, pas pour les Zahma, pas pour beaucoup de monde là-bas. Vous trouvez? Ça, c'est le cinquième point qui est sunna, lui aussi préservé. Numéro 6, c'est quand nous trouvons un hadith, il peut contredire le Coran. Est-ce qu'il est possible ça? Avant, je me demande si ce n'est pas possible qu'un hadith contredit le Coran, il y a authentique hadith là? Hein? Non! Zami! Parce qu'il fait Wahi, pas qu'à pas compte Wahi. Quran a dit Walau kana min indi surah al-Nisa, walau kana min indi ghayrillahi, la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Si Quran là, si révélation, si sauti de bien l'autre apporte Allah, qui tu peux n'a? Tu peux n'a conflit. Ça veut dire pas capable n'a conflit dans révélation et révélation. C'est moi qui arrive, mais au lama, ce que vous travaillez là, pour donner une réponse. Nous pas capables. Qui nous a accepté, écoute bien ça pour terminer là, il y a encore, il y a encore 3 points, il est presque pareil, qui quand un ayat Coran, nous finit dire Coran, révélation, sunna, révélation, d'accord? Nous finit d'accord là, ça? Ça a une fondation, ça, un usul, ça, un principe, ça. Si Jimé nous donne un hadith, mais qu'on Coran, qui nous fait? Nous sens du principe, ou ça dans votre explication pour ce hadith qui, dans ce premier vu, peut paraître qu'il contredit le Coran, qui nous a fait? Ce qui va le Coran nous faire, qu'ils ont fait, ils ont pris un hadith qui se peut trouver contredire le cerveau, ta'abun al-naqd ou al-aql, right? Ils ont trouvé un conflit entre cerveau avec ce qu'ils ont dit, ils ont cerveau. Là, qu'ils ont fait, ils ont sans sa base qui Coran avec sunna révélation, ils ont réservé sunna là. Est-ce que ça clair? Quand il y a un principe établi, nous trouvons un hadith, il peut contre ce principe là, qui nous fait? Nous sens nos principes ou bien on a une explication pour ça, hadith qui peut paraître, comment dire, hein, les œufs dans dalle. Nous avons une explication. Bon, nous donnons un exemple. Ayat Coran 50. Wala tad'u min dunillah. Wala tad'u ma Allah. Pas demande-toi avec un autre apport Allah. Pas demande-toi avec, ensemble avec Allah. Tu le dis, non? Pas demande-toi ensemble avec Allah, ma Allah, ou bien min dunillah. Si Jimé nous donne un hadith, je peux dire demande-toi avec le prophète. Qui nous fait? Dans le sens, tout ça, dans le Coran 50 là, où ça, on analyse ce hadith là, Al-Rodier, qui est arrivé dans ce hadith là, est-ce qu'il est authentique, est-ce qu'il est vrai, que ça n'a qu'il rapporte ça, qu'il a né un rapport de ça, est-ce qu'il y a des sahabas font partie là, non? Par exemple, quand on va dans la vie de l'époque, Omar, radiallahu anhu, Sahih Bukhari peut dire, dans Sahih Bukhari peut dire, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il fait istisqa. Qui nous fait? Qu'est-ce qu'il y a istisqa? Faire salat, ou demander l'appli. L'infer fait imam al-Abbas. Al-Abbas, qui s'en a? Tcha-tcha de? Rasulullah, ça s'en a. Dans l'époque, qui s'en a? Omar. Est-ce que ce hadith-là, il y a quelque chose abnormal avec nos principes établis? Ou bien il match avec nos principes établis? Il match. Un autre hadith peut dire, dans l'époque, Omar, dans le pénal appli, un dimoun, si il peut dormir contre le kabar, Rasul, ça s'en a. Écoute bien, hein? Je ne sais pas pour nous terminer l'événement là. Les Allah, les deux individus, ils viennent, ils causent avec Rasoul, ils testent les ummatiques.
Il y a une cause avec le prophète de son kabar. Au prophète, Allah demande de pour Oumar. Le lac Oumar, ça dit mon type de Oumina. Il y a une soirée qui a dit à Oumar, la pluie vous tombe. Qu'est-ce que je veux dire? Ici, dans Bukhari, hein? Ici, dans Bukhari, je veux dire, la pluie va se faire tomber dans le bouc Oumar, avec ça, Amour Ramadan. C'est une année très, très sévère, tu as la sécheresse, manger, peine. Alors dans cette année-là, la pluie va bien tomber, Omar al Khattab, dans Sahih Bukhari, il prend. Qui il prend? Il prend Al-Abbas, il fait istisqa. Il fait istisqa pour demander la pluie, que ça ne se sonne ça. Ça veut dire sa action, là, dit approuver ou pas approuver, c'est ce qu'il dit à Bukhari. Ici, sa action qui dit, elle dit, il vient de Kabar, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ya Rasulallah, il s'estesqui, il ummati. Demain, il doit vous ouman. Ensuite, il tourne dans le rêve qui a dit au moment de la pluie vous tombe. Ici, vous êtes tourné. Non. Premièrement, nous disons ça authentique. Mais là, qui nous fait? Nous sommes au principe d'Ora. Nous commençons à appliquer ça. Ensuite, nous avons une explication pour ce hadith. Les deux explications de ce hadith, nous avons un problème de ce hadith. Premier problème, c'est que les gens qui sont premier problème, c'est ce hadith. Hein? Mais comme ce n'est pas. C'est un anil. Non, bah là, parce que c'est de la femme Aïcha. Aïcha n'est pas une bouquet de transé, il est sur la case. Parce qu'il reçoit son nom enterré depuis la femme. La femme Aïcha, radiallahu anha, ben sahaba, tu peux dire, je suis en train de rentrer là-bas. Et bah, il rentre là-bas, il assise, il assise normal, il est un réel maharam. Par contre, il s'en a, il rentre dans la femme, il assise contre le reçoit. Numéro 2, sa riwayat là, les contraires riwayat qui donnent. Bukhari. Et il est contre le sunnah de Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam. Et numéro 4, sa riwayat peut montrer une action qu'ils ont mis les sahabas à faire, qui sahaba il a le code Kabar Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, il adresse avec lui que l'idée sur Kabar. Ça, c'est une analyse technique de ce sanad, qui est un de ce sanad là, qui dit qu'il est un de ce sanad là, et s'il est authentique ou bien authentique. Clair? صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين